Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce qu'hier, c'était la journée contre, tout simplement, la journée contre le racisme. 21 mars, tous les 21 mars. Hein, donc, je vais commencer vite fait par expliquer ce que c'est que le racisme. Parce qu'on parle beaucoup de racisme, mais est-ce que les gens savent ce que c'est, ce que veut dire le racisme ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que non. Pour toi, tu sais ce que ça veut dire, raciste ? Bah, raciste, c'est une personne... Ça, c'est dur, hein ? Ah, bah, tu vois ? Qui juge une apparence de couleur de voilà qui c'est... juge alors il y a pas que juger hein oui qui insulte une par exemple voilà aussi enfin, qui, quelqu'un qui par exemple quelqu'un qui même si ça paraît qui bizarre est étranger à voilà à ses origines à ses opinions ou qui voilà. Est réfractaire en gros qui est réfractaire à une personne d'une autre couleur en voilà. Gros, on peut dire ça comme ça mais tout de même le racisme dans au sens littéral du terme c'est quand même une idéologie qui partant du postulat de l'existence de races humaines, considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité, voilà le mot exact, ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Bon, bien sûr, on a juste un exemple, mais c'est pas vraiment un exemple. On va prendre Hitler contre les Juifs. C'est un exemple, oui. Bon, heureusement qu'on c'est du racisme. Heureusement, les Juifs. Alors c'est plus de l'antisémitisme que les Juifs. Oui, c'est justement, c'est pour pareil, ça. C'est du racisme. C'est pour ça que voilà, je parle des deux en même temps parce qu'effectivement, l'antisémitisme et du racisme, c'est effectivement envers les Juifs. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Justement, l'antisémitisme, je vais en parler après. Donc l'hostilité qui peut générer chez la victime de la stigmatisation et de la discrimination qui à son tour va entraîner une auto-stigmatisation et une auto-discrimination proportionnelle. Cette hostilité envers une autre appartenance culturelle et ethnique se traduit par des formes de xénophobie et d'ethnocentrisme. Certaines formes d'expression du racisme comme les injures racistes, les injures forcément, la diffamation raciale, la discrimination bien sûr, qui sont considérées comme des délits. Dans un certain nombre de pays. Donc c'est punissable par la loi. La France, et en France par exemple, il y a la loi de la discrimination de 1881 qui punit le racisme, la diffamation, les injures des propos racistes. Il faut bien le réexpliquer. Donc, mais est-ce que c'est vraiment bien appliqué ? Alors oui et non. On va expliquer ça tout à l'heure petit à petit. Donc ces idéologies racistes qui ont servi de fondement à des doctrines politiques conduisant à pratiquer des discriminations raciales, des ségrégations ethniques et à commettre des injustices et des violences allant jusqu'au génocide. Ça, c'est le racisme. La deuxième définition, je vais parler de l'antisémitisme. Vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. Alors c'est un nom qui est donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestée à l'encontre des Juifs. Ouais. Voilà, c'est ça l'antisémitisme. T'étais pas loin en fait, mais oui, c'est le racisme. En gros, on peut dire que l'antisémitisme c'est le racisme envers les Juifs. Ouais. En gros, on peut dire ça comme ça ou l'hostilité envers les Juifs. Donc, il s'agit donc d'une forme de racisme, tout simplement. Et selon le Trésor de la langue française, le mot antisémite qui est attesté depuis 1890 quand même. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. En dépit de l'étymologie du terme qui suggère que l'antisémitisme est dirigé contre tous les peuples sémites, donc juifs et arabes entre autres, en pratique, il est utilisé pour faire référence à l'hostilité envers les Juifs comme groupe religieux, racial ou ethnique. Voilà, donc, en gros, je vous ai fait un petit peu la définition au sens large du terme, au moins pour ceux qui disent oh, tu es raciste, avant de traiter quelqu'un de raciste, non, au moins, voilà. Il faut savoir comment on traite une personne de raciste. C'est facile de dire t'es raciste, vous faites l'antisémitisme. Remettons maintenant le contexte dans les voilà comme ça. Mettons les choses dans leur propre contexte et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà. Une opinion n'est pas forcément un raciste. T'as le droit de donner ton opinion, t'as le droit d'être pas d'accord avec certaines choses, mais c'est pas pour ça que t'es raciste ou que t'es antisémitiste. C'est justement, je me souviens, ça date pas de très loin, on t'a reproché justement par rapport à des propos que tu disais, voilà. Qu'on te disait t'es raciste. C'est pour ça justement que je dis ça.
Alors, c'est pour ça que je le dis. C'est pas parce que je donne mon opinion que je suis forcément raciste. D'ailleurs, j'en connais une autre personne qui je pense dira la même chose. Voilà. Je la connais bien et qui je pense dira la même chose. Avant de juger une personne, vaut mieux savoir toutes les définitions des choses avant de juger une personne, surtout qu'on ne connaît pas forcément. Bon. Au passage, l'antisémitisme qui ne doit pas être confondu avec l'antijudaïsme et l'antisionisme. C'est encore autre chose. Parce que les manifestations de l'antisémitisme peuvent aller de la haine personnelle à des persécutions populaires et violentes ou idéologiques et institutionnalisées. Et outre les pognons localisés, il y a eu des formes de grande ampleur à l'échelle d'un pays comme l'édit d'expulsion des juifs, par exemple d'Angleterre, en 1290. Ça date pas d'aujourd'hui, effectivement, mais faut quand même leur rappeler un petit peu l'histoire. Il y a eu l'éviction aussi des juifs en Espagne en 1492. Tiens, ça me rappelle une date, ça. Christophe Colomb, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est la même année. C'est la même année, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Il y en a eu aussi à l'échelle d'un continent lors de la Seconde Guerre mondiale où la choix solution finale d'Adolf Hitler à la question juive, tu viens d'en parler tout à l'heure, en Europe, causa la mort de près de 6 millions de personnes désignées comme juives quand même. 6 millions de personnes. Ouais. À l'époque, c'est quand même beaucoup. Supposé être juif. Parce qu'il y a eu pas mal de juifs, mais il a tué quand même. Il a gazé quand même pas mal des personnes qui pensaient qu'ils étaient juifs, or que c'est faux. Et en plus, ce n'est qu'une estimation, parce que 6 millions, entre guillemets, on va dire. Alors, ceci représentait les 3/4 des juifs de l'Europe occupée, quand même, parmi les 6 millions, et les 2/3 de ceux du vieux continent, et plus du tiers de la population juive mondiale. Un tiers de la population quand même mondiale. L'antisémitisme qui se manifeste de différentes façons, donc l'hostilité, on vient de le dire, la haine, bien sûr, à l'égard des juifs, pouvant aller jusqu'à l'assassinat de personnes juives ou considérées comme telles. Il y a eu l'attentat, il y a eu aussi l'affaire Mera il n'y a pas longtemps. On peut citer ceci. Il y a pas mal de choses qu'on fait que voilà. Il y a aussi le dédain vis-à-vis des caractéristiques physiques et morales attribuées aux juifs. Entre autres. Et l'autre façon, c'est le rejet ou l'accusation des juifs comme tels, ceci indépendamment de leur situation ou de leur action. Simplement. Alors, on parle de racisme, mais dans racisme, il y a le mot, tout simplement, race, exactement. Donc, on va expliquer vite fait la race, parce que la notion race humaine, c'est le concept du racisme qui sont partie liée. Donc, l'étude de leur relation nécessite d'opérer une première distinction entre la race en tant que concept biologique et la race en tant que construction sociale que l'on peut définir comme un signe ou un ensemble de signes par lesquels un groupe, une collectivité, un ensemble humain qui est identifié dans certains contextes historiques précis et cette apparence socialement construite variant suivant les sociétés et les époques. J'espère que tu suis. Alors, au cours de l'histoire, les définitions sociales de la race, alors on parle bien de la race cette fois, hein, qui se sont appuyées sur la race en tant que concept biologique. Mais la race en tant que construction sociale est largement indépendante des travaux menés sur la classification biologique des êtres humains. Voilà, c'est autre chose. Je sais pas si tu arrives à cerner la chose au niveau du racisme. Pas. C'est un peu compliqué, hein, mais c'est un peu compliqué. On est dans le sens littéral du mot racisme. C'est parce que j'aime bien expliquer les choses parce que on pourrait. Ouais, au moins comme ça, ça remet. On met bien les choses en concept, dans le contexte plutôt, parce qu'on pas concept, ça serait mieux. Parce que voilà, donc. Comme ça, on pourra pas dire que voilà. Voilà, donc ensuite, le racisme, il faut rappeler que le racisme se fonde sur la focalisation du regard du raciste, sur une différence, tout simplement. Et souvent anatomique, c'est-à-dire l'apparence. Et la couleur. Et bien sûr. Aussi. Elle peut être visible, donc la pigmentation de la peau, par exemple, mais ne l'est pas nécessairement. Donc, par exemple, on parle du regard raciste qui peut exister sans s'appuyer sur des différences visuelles évidentes. Et la littérature antisémite a ainsi abondamment cherché sans succès à définir les critères qui pourraient permettre de reconnaître visuellement les juifs et a finalement dû mettre en avant des différences invisibles, imperceptibles pour l'œil humain. J'ai une question à poser. Peut-être, ouais. Je sais pas si... Alors, ça a à voir avec... pour les homophobes. Oui.
les personnes qui sont homophobes. Alors là, c'est notre... attention. C'est un système de racisme. Alors attention. C'est une forme de racisme et d'antisémitisme. Pas... Ah non, c'est pas une c'est pas le racisme. C'est de l'antisémitisme. Nous, le être homosexuel, c'est pas une race. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Non, mais voilà, c'est, ça pourrait. C'est le l'homosexualité, c'est le sexe. Oui, mais. Donc, enfin, c'est l'orientation sexuelle. Les homophobes sont en quelque sorte. Raciste contre le. Ah non, c'est ce pas du racisme. Non, je ne peux pas. Ou l'antisémitisme. Non plus, je ne peux pas. Bah, c'est, on peut, qui rejette. Alors, les homosexuels peuvent être victimes de plusieurs discriminations en même temps, mais non, c'est, mais le quelqu'un qui est réfractaire aux homosexuels, c'est pas du racisme. C'est, le racisme, c'est uniquement la couleur de peau, ou d'une part la couleur de peau, ou alors l'appartenance aussi à un pays. Mmh. Par exemple, je suis contre les juifs, je suis contre les africains, je suis contre les chinois, je ne peux pas les supporter, il y en a qui. Il y a du racisme anti-blanc, il y a du racisme anti-français. Voilà, c'est ça le racisme. Rien à voir avec l'homosexualité. L'homosexualité, c'est le sexe et l'orientation sexuelle. Ouais, c'est, c'est pas du racisme. Ouais, mais c'est de l'antisémitisme. C'est les juifs, l'antisémitisme. C'est du racisme envers les juifs. Oui, c'est un racisme. C'est une sorte de racisme ou d'antisémitisme. Ah, je ne peux pas te. Non, je ne peux pas. Non, je. Mais je sais pas, suis moi, pas d'accord avec toi. Personnellement, si tu décortiques le truc, bon, ça me fait penser à ça. Est-ce que pour toi, un homosexuel, c'est une race? Non. Ben voilà. Personnellement, t'as, non. T'as non, la réponse. Mais bon, si on pourrait le, on pourrait le. Ben t'as la réponse. Ouais. Bah oui, c'est comme les chats. Oui, les, c'est une orientation. Les chats, ils ont plusieurs races. Il y a plusieurs races, les persans, les tout ça. Mmh. Oui, mais c'est une orientation. C'est une orientation. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis bien d'accord avec toi. Ouais, mais c'est vrai que ça peut être. Mais voilà. Mais c'est pas bête. Ça peut finalement, voilà, au cas où s'il y a des gens qui se permettent de se dire une question comme ça, ben voilà, moi j'ai la réponse. Moi personnellement, je la donne. Voilà, mais oui, c'est bien. Je suis d'accord. Même si. Je suis d'accord, mais bon, après ça aurait pu être un truc comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le même contexte. Mais ça peut c'est pas du tout le même. En tout cas, c'est pas la même forme de discrimination, premièrement, et la race est une, n'est pas du tout l'orientation sexuelle. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je te réponds à la question. Mais oui, c'est bien que, mais c'est pas plus mal que tu poses ce genre de questions, parce qu'au cas où s'il y a certaines personnes qui se mettent en tête ça, je suis homosexuel, et ça se trouve, ils sont racistes. Non, c'est pas du racisme. Ouais, mais indirectement. C'est une forme de. Bon, je vais pouvoir continuer justement sur le racisme. Le racisme, c'est ce qui associe des caractères physiques et à des caractères moraux et culturels. Ah oui, aussi la culture, la religion par exemple. Il constitue un système de perception, une vision syncrétique où tous ces traits sont organiquement liés et en tout cas indistinguables les uns des autres. L'identification des traits physiques ou la reconnaissance du signe distinctif, l'étoile juive par exemple, je vous donne un exemple, qui génère immédiatement chez le racisant une association avec un système d'idées préconçues. Et dans le regard du racisant, l'homme qui précède ses actes, c'est un exemple. Alors si la focalisation du regard raciste rend le corps visé plus visible que les autres, il a donc aussi pour effet de faire disparaître l'individualité derrière la catégorie générale de la race. Alors, c'est très philosophique tout ça, mais en tout cas c'est la vraie définition du racisme. Le raciste, alors cette fois je ne parle pas du racisme, mais le raciste, c'est-à-dire la personne raciste, qui considère les propriétés attachées à un groupe comme permanentes et transmissibles, le plus souvent biologiquement. Mmh. Et le regard raciste, et cette fois nous sommes, oui, parce qu'on parle beaucoup du jugement, mais on parle pas suffisamment du regard. Le regard raciste, c'est une activité de catégorisation et de clôture du groupe sur lui-même. Tout simplement. Donc le racisme qui s'accompagne souvent d'une péjoration des caractéristiques du groupe visé. Le discours raciste n'est toutefois pas nécessairement péjoratif. Un exemple, par exemple pour Colette Guillaumin, c'est un exemple. Les bonnes caractéristiques font au même titre que les mauvaises caractéristiques partie de l'organisation perceptive raciste. Et la phrase, je vais vous donner une phrase, les noirs courent vite, c'est une phrase. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous donnerai des phrases qui sont tellement inadmissibles à entendre. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Donc, les noirs qui courent vite, cette phrase qui constitue ainsi un énoncé raciste malgré son apparence améliorative. Je sais pas si tu suis. Parce qu'il y a plusieurs formes de racisme, si tu préfères. C'est ce qu'il faut bien. Il n'y a pas une seule forme de racisme, plusieurs. Le discours raciste, cette fois, qui peut évoquer la supériorité physique des groupes visés. Par exemple, la nationalité des Noirs.
un exemple, qui pour souligner par contraste leur infériorité intellectuelle, alors qu'ils sont pas du tout inférieurs. Ils sont peut-être, Déjà, il y a deux choses. Il y a deux, il y a dans ce, dans cette phrase-là, il y a deux choses. D'une part, les Noirs sont pas inférieurs aux Blancs, on est tous égaux. Et de deux, ils sont autant intelligents que nous. C'est pas parce c'est pas parce qu'ils sont dans des pays défavorisés ou qu'ils ont des cultures différentes ou qu'ils ont des vies différentes ou qui vivent beaucoup dans la misère, qu'ils sont intellectuellement inférieurs. C'est vrai, ils ne le sont pas. Ils sont au contraire, ils ont des potentiels énormes que beaucoup ne soupçonnent pas. Ah mais voire plus. Et c'est pas une raison de les rejeter de la société et de et du monde. C'est pas parce qu'ils vivent différemment, avec des cultures différentes, des religions différentes ou même des lois différentes, qu'il faut les rejeter pour autant. Maintenant, bon, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'est pas forcément d'accord sur leur façon de faire, mais c'est pas une raison de les détester. Ah non, c'est sûr. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, c'est pas, il faut pas haïr les Africains parce qu'ils ont des manières différentes de faire ou d'être ou de fonctionner, les lois, tout cela. Il faut pas les détester pour mais autant. C'est leur culture et c'est leur voilà. Après, bon, il y a des choses que je suis pas. Bon, c'est vrai qu'il y a certains procédés que je suis pas d'accord, notamment les tortures, la façon qu'ils condamnent à mort des personnes. Un être humain, c'est un être humain. Il y a les droits de l'homme qui existent pour ça dans tout le monde, dans le monde entier. Je comprends pas. Mais oui. Après, voilà, ils ont... Je sais pas. Mais bon. Bon, ils ont le droit de vivre comme tout le monde et c'est tout. Ben, ils font partie du monde. Et d'ailleurs, c'est quand même l'Afrique qui constitue un grand continent au niveau population. Hein. L'Europe à côté, on est vraiment petit à côté de l'Afrique. C'est un des plus grands pays. Au niveau population. Hein. Oui, au niveau population. Je parle pas au niveau grandeur, je parle au niveau population. L'Afrique, avec la, si on oublie la Chine et le Japon, l'Afrique est une. Ils ont une population énorme. Nous, l'Europe, on est tout petit à côté. On est rien. On est que dalle à côté d'eux. Ah ben, Ah oui, ça pourrait être un petit poids, on est un petit poids. Donc c'est juste histoire de faire un petit peu le contexte parmi, là-dessus. Une Macédoine de légumes. Oui, par exemple. Heureusement qu'on ne parle pas des carottes, mais bon, c'est encore autre chose. Donc, au-delà du contenu qui est positif ou négatif, il y a des stéréotypes racistes. Donc il y a l'activité de catégorisation, de totalisation, de limitation de l'individu à des propriétés préconçues, qui n'est en soi pas une activité neutre du point de vue des valeurs. Et dans cette perspective, voir et penser le monde social dans les catégories de la race relève déjà d'une attitude raciste. Et ça, il faut le souligner. Peut-être que pas beaucoup le savaient, ça. Voilà, il y a, comme je vous dis, plusieurs formes de racisme, je suis en train de les évoquer, même si c'est un petit peu compliqué sur la façon que c'est dit, mais voilà, c'est histoire de bien mettre le contexte du racisme en place avec la définition exacte de ce racisme, quoi. Est-ce que tu veux dire autre chose là-dessus ? Non. Bon, on a fait les définitions. Ça, c'est fait. Ça, c'est clos. On a, au moins, ça, c'est dit, ça, c'est fait. Alors, au niveau des lois. Ça, c'est très important. Donc, les pratiques racistes constituent, et ça, je précise bien, parce que et ça, il faut bien le souligner de A à Z, les pratiques racistes constituent une violation des droits de l'homme. Ça, c'est la première chose. Et qui sont réprimées par de nombreux pays. Alors, parfois, sous l'appellation, on appelle ça le hate speech, par exemple, ou de discours de haine, tout simplement. Voire législation internationale sur le discours de haine. D'accord ? Et pour la plupart des pays occidentaux, dont la France par exemple, la discrimination et le racisme sont beaucoup plus que des délits, punis pénalement. Ils représentent également une atteinte aux valeurs qui fondent la démocratie. Et celle-ci reconnaît l'égale dignité de chaque citoyen à participer à la chose publique, à poursuivre son bonheur et son épanouissement indépendamment de sa naissance. Ça, c'est la loi qui dit ça. En France, par exemple, évidemment, il faut vraiment venir en France. Le législateur n'a cessé au fil du temps, et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, de compléter le dispositif législatif afin de réprimer plus efficacement toutes les formes de racisme. 1881, c'est une année qu'on connaît bien. C'est la loi contre les discriminations. Donc c'est le nom de la loi exacte, c'est la loi sur la liberté de la presse et sur les discriminations qui punit. Alors vous écoutez bien parce que ça c'est à l'époque en franc. Qui punit la diffamation raciste d'un emprisonnement plutôt de 1 mois à 1 an. C'est pas cher payé. Et d'ailleurs, le premier à être jugé justement par rapport à ça, je crois que c'est un journaliste.
Ben justement, ben oui, parce qu'enfin, avant, il y avait plein de propos racistes, tout ça, voilà. Dans les presses, dans les journaux. Et mais aujourd'hui, c'est voilà, c'est un journaliste d'ailleurs qui. Et cette loi qui a évolué, et cette loi qui a élargi et évolué au niveau de Internet, par exemple. Donc, on n'est pas encore. Mais au début 1880, c'est effectivement la presse, c'est-à-dire les journaux, les presses écrites. Ouais, aujourd'hui, qui a été jugée. Voilà, qui a été jugée. Mmh. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué au niveau. Mais ça, tant mieux d'ailleurs. Par contre, je trouve que c'est pas cher payé. Au niveau de la loi, quand on entend que la loi condamne d'un emprisonnement de un mois à un an. Oui, mais c'est en 1800 et quelques. Oui, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Ah bon? Oui, la loi n'a pas changé à ce niveau-là. C'est d'ailleurs quelque chose que je regrette. Elle n'a pas été modifiée. Ça n'a pas été modifié. Par contre, il y a aussi une amende, et ça, c'est en francs à l'époque. 1000 francs à 1 million de francs. Aujourd'hui, ce qu'on calcule, c'est 150 euros à 150 000 euros. Histoire de bien mettre en euros ce que ça fait. Donc il a pour cela créé ou modifié en 1990. Donc ça a été modifié effectivement en 1990 avec la loi Guesso. Un certain nombre d'incriminations d'une part dans le code pénal, d'autre part dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et dans la loi relative à la communication audiovisuelle. C'est pour ça que ça a élargi jusqu'à Internet même. La loi de 1881 avait déjà été modifiée par la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme qui punit entre autres l'injure raciste, ça c'est très important, la discrimination raciale qui est effectuée par un agent dépositaire de l'autorité publique. Jusque là, on suit. Hein. Alors, la loi de 1972, donc là, c'est beaucoup plus récent, qui introduit en outre à l'article 24 de la loi de 1881, voilà ce que dit la loi. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi de 1881, auront évoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, tu vois, ça n'a pas bougé d'emprisonnement, et jusqu'à une amende de 2000 francs à 300 000 francs. C'est pas cher payé non plus. Quand 300 000 francs en euros, c'est même pas... ça fait combien? 70 000 euros. C'est rien, quoi. Ouais, à peu près, ouais. Bah, quand tu calcules, 100 francs, c'est 15 euros. Oui, donc ça fait 45 000 euros. 300 000 francs. Ça fait pas cher. C'est pas cher. Donc, c'est pas cher payé. Donc, 45... Ouais, mais il faut déjà les avoir. Mais bon, après, voilà... La peine prévue est aujourd'hui d'un an d'emprisonnement, voilà, je l'ai en euros, donc la loi exacte est maintenant d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. C'est vraiment pas cher payé, je vous dis franchement, du racisme, un an d'emprisonnement. Est-ce que franchement, voilà, est-ce que ça mérite mieux la condamnation pour injure raciste? Un an en prison ferme, on va dire. Allez, élargissons les choses. Ne parlons pas de ceci. Est-ce qu'un an ferme, c'est suffisant? Bon, 45 000 euros d'amende, c'est pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Ouais, 45 000 euros. Juste ouais. Pour une injure. Hein. Ouais. Par contre, un an d'emprisonnement. Ça fait. Quand je pense qu'il y a d'autres délits qui font 3 ans et qui sont mis beaucoup ouais, plus. C'est ça que je voulais dire. Non, un mois ferme, c'est pas. Non, un an ferme, on va dire. Un an ferme, ouais, ça serait pas mal, ouais. Mais c'est ça un an. Non, mais c'est un an ferme, la loi. Un an ferme. Oui. Je trouve pas ça. Quand tu réfléchis par rapport aux autres délits qui existent qui punissent encore plus d'emprisonnement. Non, je trouve pas ça cher payé. Notamment, certes, je dirais pas. Après, ça dépend les formes de. Ouais, après, ça dépend. D'ailleurs. La gravité des faits aussi. Hein. Après, ça dépend de la gravité des faits. Après, je trouve qu'il y a des choses. On est peut-être en démocratie en France, mais il y a des choses que je ne comprends pas qu'on entend dans les presses. Je ne citerai pas de nom parce qu'on est en pleine municipale en ce moment. Mmh. Voilà, on entend plein d'hommes politiques qui vont jusqu'à dire des choses racistes ou même homophobes, tout ça, et qui s'en sortent. Moi, je comprends pas moi. Donc, c'est des choses que je ne vois personnellement. Je comprends pas. La loi punit ça. Pourquoi ils l'appliquent pas eux-mêmes puisque c'est eux qui l'ont. C'est une belle formule que tu dis. C'est bien, c'est pourquoi eux qui appliquent les lois. Qui les appliquent et pourquoi ils se les appliquent pas eux-mêmes. Alors eux, il faut appliquer les lois et nous, enfin nous, on doit respecter la loi. La loi, mais eux ils ne la respectent pas. Voilà. C'est quand même pas mal ça. Bah.
C'est un peu logique. Et qui ne sont c'est pas eux qui l'appliquent. Et ne sont qui pas doivent la faire appliquer, c'est eux qui la respectent pas les premiers. Alors pourquoi la respecter? On donne pas de nom, on donne ni nom, ni parti politique non, là-dessus. Ah non, c'est la règle du jour, mais on dénonce quand même ce problème. Donc, sondage, cette fois, alors, c'est pas sondage politique, hein, c'est un sondage sur le racisme. D'après un sondage qui est mené sur 1011 personnes entre, alors ça date d'un petit peu loin, mais quand même, entre le 17 et le 22 novembre 2005 par l'Institut de CSA, un tiers des Français se déclarent racistes. Alors ça, c'est grave, hein. Un quart. Un tiers, un sur trois se déclare raciste. C'est quand même impressionnant de voir ça. c'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi qu'est-ce qui nous pousse à être raciste finalement? Alors il y a plein de choses. Alors je sais ce qu'on va me répondre parce qu'on en a parlé une fois. Les vols, voilà, les cambriolages, les agressions, les violences, l'insécurité. Mais est-ce que pour autant tout ça, parce que est-ce que pour autant on doit être raciste à cause de ça? Est-ce qu'on doit s'en prendre à toutes les personnes parce que certains sont comme ça? Ah non. C'est ça que je comprends pas. C'est là que je ne comprends pas certaines personnes. Ouais, mais bon, ils ont. Ouais, c'est du jugement avant de connaître les personnes aussi. Mais non, ce que je comprends pas, c'est qu'ils en font une généralité, les gens. Ouais. C'est-à-dire, une personne, notamment des personnes âgées, malheureusement, il faut être honnête. Ah, mais là, les personnes âgées, c'est les premières à être. Voilà, bon, je comprends. Si réfractaires à. Oui, mais voilà ce que moi, je ne comprends pas. Qui vivent n'importe qui vit cette situation. Qui se sentent offensés, qui ont été victimes, on va dire comme ça, comme ça par une personne, vol, cambriolage, tout ce que tu veux, raquette, tout ce que tu veux, la drogue aussi, tout, voilà, par une personne d'origine maghrébine. C'est un exemple. Est-ce que pour autant, parce que cette personne s'est fait voler, cambrioler, est-ce qu'on doit pour autant détester toute une population parce que une personne sur je sais pas combien de millions a fait ça? Non. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Ouais, non, mais bon. Après, voilà, c'est leur. Après, c'est leur point de vue. Donc, une personne a fait ça, donc on déteste toute une population. C'est idiot. Oui, c'est complètement con. Mais... Donc, une personne a commis des crimes, donc on va détester toute une population pour ça. C'est comme par. Bon, voilà, je vais donner un autre exemple qui. C'est peut-être pas par rapport à la population. C'est peut-être par rapport à la justice. Ah, mais je suis désolé, quand on est raciste, on est raciste contre toutes les origines. C'est un autre exemple. Quand j'entends, alors je vous en donnerai des exemples tout à l'heure. Il est noir. Et alors, où est le problème là-dedans? Il est noir. Hein, est-ce que c'est de sa faute est-ce que c'est la faute de la personne qu'il soit noir? Ah non. Il n'a pas demandé d'être noir. Il est né comme il est né. Hein. On est blanc, on est noir, on est jaune, on est tout ce qu'on veut. On n'a rien demandé. On est comme on est. Hein. Mmh. On n'a pas choisi non plus. Et d'ailleurs, il y a une petite chanson que je vais passer dans quelques instants. C'est né quelque part. Qui veut tout dire d'ailleurs. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je comprends pas, c'est que on juge une des personnes, voilà, tout ça parce qu'il a une couleur différente, tout ça parce qu'il est dans un pays différent, qu'il vient d'un pays différent. Et alors, on vient tous de quelque part quand même, à ce que je sache. Moi, je vais juste dire un truc parce qu'il y a un truc qui me passe par la tête et qu'on ne prenne pas mal ce que je vais dire et qu'on ne déforme surtout pas mes propos. Et ça, je l'affirme bien, c'est qu'on ne les déforme pas. Mm-hmm. Je suis raciste. Ah oui, non, mais si non, tu dis ça. Je suis pas. Je non, suis mais pas raciste. N'annonce pas que tu dis que t'es raciste. Non, je suis pas raciste. Ah oui, au sens de l'ethnie, je suis raciste au niveau de la justice. Ah non, alors enlève de suite. Dans ce cas, on dit pas raciste contre la justice, ça n'existe pas déjà. Je suis raciste contre la justice qui ne respecte le fond de la justice. Non, mais le racisme, c'est uniquement sur la race humaine. Oui, donc non, la justice n'a rien à voir avec la race humaine. Donc ne déforme pas les choses. Là, tu vas. Je suis contre la justice. Voilà. Ça, c'est mieux. c'est mieux. Dis pas que je suis raciste contre la justice, parce que franchement, aussi, c'est idiot d'entendre ça. C'est de la justice qui sont pas sûrs. C'est comme si que j'entendais, oui, je suis raciste contre les jeunes. Non, ça n'existe pas, ça. Les jeunes, c'est pas une race. Ils sont cons. Ça n'existe pas. On dit pas raciste contre un jeune. La jeune, c'est sur l'âge. Ça n'a rien à voir avec la race humaine. Faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que je sais que t'es pas le seul à dire des choses pareilles, et qu'il faut bien mettre dans le contexte. Justice, je suis contre leur l'injustice. Point. Voilà. T'as pas besoin de chercher loin.
points. C'est voilà. Tout. Bon. C'est un peu aberrant, mais bon. Oh oui, ça pourrait être aberrant, c'est un petit peu. Mais bon, on va pas t'en vouloir. Ça, ça bon, pas. On ne t'en veut pas. C'est vrai que tu passes une mauvaise période en ce moment. Hein, on va pas t'en vouloir. Les gens ne t'en voudront pas vu la période que tu traverses. Oh. Ce que je veux dire par là, c'est que. Au niveau du racisme, voilà, c'est qu'on est tous nés quelque part. Ce que je comprends pas, c'est au niveau des personnes en France, déjà 1 sur 3 est raciste. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les gens à être racistes? Qu'est-ce que les Africains ont fait de mal en France pour qu'on soit raciste? Les Africains, et puis même tous les autres pays, parce qu'on parle beaucoup des Africains, mais il y en a plein qui sont racistes, même envers d'autres pays. Il y en a qui sont anti-américains, anti-chinois, tout ce que vous voulez. On parle beaucoup des Africains parce que c'est malheureusement les plus visés, mais il existe d'autres, tous les autres pays, tous les pays, même les Français. Il y a du racisme anti-français, ça existe. Hein, anti-blanc, anti-français, ça existe. Hein, donc c'est juste un exemple que j'essaie de faire comprendre. Donc tu essaies de qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais. C'est un exemple. Bref. Ouais, voilà, c'est un exemple. Mais bon, après, voilà, on peut pas. On peut pas se mettre à la place de certains de ce qu'ils pensent, c'est ça qui est voilà. Alors justement, j'ai une question qui est toute fraîche cette fois parce que j'ai parlé de 2005 et là cette fois j'ai quelque chose de 2013. Ah. Est-ce que le racisme progresse en France? Alors est-ce qu'entre 2005 et 2013 ça a progressé? Oh, il augmente, oui. Alors selon l'augmentation. Selon un député, c'est pas un maire, donc on peut le citer, Thierry Mariani, donc comme il n'est pas maire, on peut le citer. Pour lui, la France n'est pas raciste. La France n'est pas raciste. Alors, bon, alors moi je suis pas d'accord, mais bon, c'est un peu le contraire. Ah, mais... Excuse-moi, tu me disais qu'il y a un Français sur trois qui est raciste, d'accord? Mmh. Et ça c'est en 2013, l'année dernière. Ah, tu veux dire un sur trois, le sondage ouais. Le sondage de 2005. 2005. Et eh ben moi je peux te dire. Mmh. Je sais pas si les chiffres sont exacts, mais moi je dirais qu'il y a plus. Il y a plus. Alors je vais aller plus loin. Augmenté, ouais. Et je vais aller plus loin que ça. Et venant de Marine Le Pen, c'est quand même encore plus fort. Marine Le Pen qui dit que le pays est le moins raciste au monde, la France. Ah bon? C'est de mieux en mieux. Alors avec ce qu'on voit avec le Front National. Bon, je fais attention. Faut pas faire attention à ce qu'on parle du parti politique. Mmh. Faut faire très attention. De là à dire que qu'en France le pays qu'on est le pays le moins raciste au monde. Je suis désolé. Je suis pas très d'accord. Là. Je vais faire le sondage de mythe. On est l'un des premiers. Alors voilà le résultat exact en France. Là c'est un sondage récent. Pas moins de 7% des sondés s'avouent plutôt racistes. Déjà 7%. 7%, ça fait... Ils sont ouais. 22% un peu racistes. Mais un peu raciste, c'est raciste. Ah ben c'est raciste. Quoi qu'il en soit. Un quart se disent pas très racistes. Ça reste raciste. Quoi qu'il en soit. Non mais un peu raciste, plutôt raciste ou pas très raciste, quoi qu'il en soit, un peu, beaucoup, passionnément, c'est raciste. Et 44% qui sont pas racistes du tout. Voilà, donc on fait le total. 44% sur... Ouais. On fait le total, donc si on calcule bien, ça fait 56% qui sont un peu, beaucoup, passionnément racistes. Qui sont racistes. Et qui sont racistes tout court. Voilà. 56%. Et ça fait un sur deux. Et à part ça, 56%, c'est pas du tout beaucoup pour ouais, la France. Ça fait un Français sur deux. Ça fait presque un sur trois, mais... Non, c'est un Français sur deux, oui, un peu plus même un peu plus d'un sur deux, parce que 56% quand même. 56%, ça fait... Et d'ailleurs, tiens, juste un autre sondage, que par ailleurs, les deux tiers des sondés estiment que certains comportements peuvent parfois justifier des réactions racistes. Alors, c'est ce que je viens d'expliquer ça, il y a quelques instants. Les comportements racistes, dans certains sens... Les comportements, je viens de l'expliquer, la drogue, l'insécurité, les violences, les injures, les crimes, les délits, tout ce que vous voulez. Ben voilà, ouais, on aurait arrêté de cataloguer aussi tous les genres de personnes de différentes ethnies, aussi, ça se serait pas réglé, racisme. Alors, par contre, les comportements, je pense que... Est-ce que c'est le fait que certains habitants, on va dire comme ça, certaines personnes qui sont d'origine étrangère, qui viennent dans des pays, qui s'installent dans des pays et qui ne respectent pas le pays, en gros c'est ça, et qu'en fait à cause de ça de plus en plus on devient raciste parce que certaines personnes ne respectent pas les autres pays, en gros c'est un petit peu c'est un peu ça, hein. C'est un petit peu ce que tu avais dit il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui.
C'est vrai, la langue, par exemple. Alors c'est justement ce problème-là qui a fait fureur, en se disant parce que le fait que tu supportes pas qu'une personne parle dans sa langue, que pour ça y est, ça fait de toi un raciste. Automatique. Non, pas du tout. C'est pas. C'est. Mais parce que on peut être sans. Parce qu'une personne qui parle dans sa propre langue, automatiquement, tu sais pas ce qu'elle dit. Mmh. Elle peut t'insulter. Aussi. Elle peut te critiquer physiquement sans que tu le saches. Elle peut te voilà, c'est de la discrimination indirectement. Oui, mais alors dans ce cas, je vais réciproquement, c'est pareil. Parce que les personnes d'origine ethnique différente qui viennent en France, qui comprennent pas le français, comprennent pas ce qu'on dit. Bah c'est dans les deux sens dans ce cas. Ouais, mais il y en a, ils doivent le. T'inquiète pas, ils disent qu'ils ne le comprennent pas, mais ils comprennent. Bah, de toute façon, un minimum, ils sont obligés de le comprendre. Oui, bah de toute façon, il y a l'obligation d'apprendre la langue française pour venir dans le pays. Ça, et c'est y vrai. En a, mais ils veulent pas du tout le faire. Et pour toi, c'est un comportement qui n'est pas normal. Bah, je suis désolé. Et c'est du. Et tu crois, et bon, tu... après, si c'est que des touristes qui passent allez, 3 semaines, 1 mois. Oui. Dans un pays, je vois pas pourquoi apprendre la langue du pays qu'on va visiter. Mmh. Mais ceux qui sont installés personnellement depuis plusieurs années et qui font pas l'effort de parler. Continue, vas-y. Le pays où ils se sont installés, j'appelle ça du foutage de gueule. En parlant poliment. Bon, que pour toi, si je comprends bien, c'est que pour toi, il y a des gens qui viennent en France et qui ne respectent pas, en gros, la coutume, les coutumes et les cultures françaises, voilà. Qui sont là, ils imposent en gros leur culture et leurs coutumes contre et qui ne respectent pas en gros la France. Ah, mais ils respectent pas les droits de l'homme, tout simplement. Alors ça, je suis pas d'accord. Alors respecter les droits de l'homme, ils sont obligés. J'espère bien qu'ils sont obligés parce que non, je crois. Non. Alors que, non, mais là c'est grave. Il y en a, ils les respectent pas. Attention, c'est une grosse accusation. Il y en a, ils les respectent pas. Alors en quoi ils respectent pas les droits de l'homme pour toi? Ah bah excuse-moi, et là qu'on me dise pas que c'est des qu'on prenne pas ça pour du racisme, je suis désolé, mais les Roumains, ils font tout. Enfin. Les Roumains, alors je t'arrête de suite, les Roumains sont européens. Oui, donc ils sont européens, alors, mais, non, mais là, ils ne respectent pas les règles. Oublie la Roumanie fait partie de l'Europe. L'Europe, il n'y a plus de frontières, il n'y a pas de frontières en Europe. Il n'y a pas de frontières, donc il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Là, il faut bien que tout le monde se mette bien ça en tête. L'Europe, il n'y a pas de frontières. Le problème, il est là. Et les clandestins, t'en fais quoi? Il n'y a pas de clandestins en Europe. Il y a en Europe, non. Ah bon? Non. Et tous ceux qui arrivent peuvent librement circuler en Europe. Oui, non mais et tous ceux qui arrivent de pays étrangers et en clandestin. Et du coup la plupart ne respectent si ces clandestins sont hors des 27 pays européens, oui. Mais si tu es 27 pays, si la personne qui vit en Belgique, en Allemagne, tout ça, ou en France, ils sont libres d'être là. Je suis désolé. De vivre, c'est autre chose. Il y en a qui sont de l'Union européenne. Ils sont libres de circuler. Par contre, vivre en France, c'est une autre. Et sans papiers. C'est une autre. Ah ouais, ça, c'est une autre question. Ils font partie de l'Union européenne, mais ils sont des sans papiers. T'as pas compris. Ils ont le droit de venir en France librement. Ouais. Après, de vivre en France, c'est une autre histoire parce que ça demande effectivement des papiers. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a une différence entre entre circuler et vivre. Et il y a de l'illégalité. Mais où tu vois d'inégalité là-dedans? Qui vivent. Au contraire, qu'est-ce que ça change? Au contraire, on mélange les genres genres et les cultures. C'est pas magnifique? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais l'illégalité, voilà, elle est faite tous les jours. Tu la vois tous les jours. Ah non, au contraire, parce que la façon que tu dis, c'est pas égal. Parce que justement, il n'y a pas d'égalité dans ce que tu viens de dire. Parce que pour toi, tu veux pas qu'ils viennent en France. Donc pour moi, il n'y a pas d'égalité là-dedans. C'est pas ça. C'est pas que je dis pas ça. C'est pas que je dis ça. C'est juste que, voilà, il y a des choses qui sont faites, mais qui sont pas faites dans l'ordre des choses. Oui, mais après, l'histoire des lois et de le fait qu'ils vivent en France, ça, c'est une autre loi. C'est pas du tout la même chose. Voilà, mais bon, Ce n'est pas la même loi entre circuler et vivre, déjà. Heureusement que j'ai parlé de circuler. Il y a un respect, il y a un respect qui doit être fait et qui n'est pas fait du tout. Alors, en quoi? Que ça soit de la part des Français ou des étrangers.
C'est 50-50. Mais bon, est-ce que pour autant, alors parce que là nous sommes dans cette question, le racisme progresse-t-il en France? Pour moi, oui. Ah ben il augmente. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on revient sur les comportements de certains comportements, parce que tous les, je vois pas ce qu'ils font de mal. Ils viennent en France, ils vivent en France, certains vivent en France. Moi ça me dérange pas. Là pendant 10 jours, on en côtoie tous les jours, on en voit tous les jours, ça ne me dérange pas. Nous sommes dans un quartier entre les deux, entre les quartiers où il y a justement des personnes étrangères et des personnes riches, ça ne me dérange pas d'être au contraire dans un quartier mixte. C'est magnifique de voir d'avoir des côtés mixtes. Maintenant, le seul problème, c'est qu'effectivement, il faut le respect effectivement du territoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils respectent les lieux, le pays, le territoire, la ville et bien sûr la population française. Tout comme la population française doit accueillir les étrangers en France et à ne pas les rejeter comme des chiffons. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Oui, voilà, c'est sûr. Mais bon, après, si... Et c'est ça qui... De toute façon, il faut aussi du 50-50, c'est-à-dire... Ah, mais c'est 50-50, c'est-à-dire... Ils font pas l'effort de s'intégrer. Alors, pourquoi il y en a qui feraient l'effort de les intégrer? La grosse condition qu'un étranger soit en France, c'est d'abord qu'il respecte toutes les lois de France, qui commettent pas de délits, qui commettent pas de crimes, qui ne s'amusent pas à voler, à faire tout ce qu'on entend effectivement sur l'insécurité. Bon, voilà. Faut dire, on dit que tout ce qui arrive au niveau violence, au niveau tout ça, c'est les étrangers. Je suis désolé, mais les Français sont pas mieux. Hein. Alors, c'est plus les gens de banlieue, on va dire ça comme ça. Sans faire d'attaque personnelle. Ah oui, non. Oui. C'est beaucoup de gens qui sont dans des milieux défavorisés, qui commettent des crimes et qui commettent des délits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour vivre normalement. On ne veut pas les écouter, on veut pas essayer de leur apporter. Non, mais ce que je trouve regrettable, c'est qu'on met tout sur le dos des étrangers. Oui. Moi, je trouve ça dégueulasse personnellement. C'est pas parce qu'au niveau des délinquants, parce que bon, ça c'est confirmé, il y a un chiffre qui a été confirmé l'année dernière. C'est pas parce qu'il y a je sais plus combien de pourcentage de délinquants qui sont d'origine étrangère qu'il faut mettre tout sur le dos des étrangers. C'est ce que j'étais en train de dire. Les Français sont pas mieux. Et ça se prouve, les étrangers sont commandités par des gens qu'on ne soupçonne pas non plus. Ah bah. Les recels, tout ce qu'on veut, les vols, voilà, tout ce qu'on vous voulez. Voilà, mais il faut pas mettre. C'est un peu. Moi, je trouve que c'est de la facilité pure et simple de mettre tout sur le dos des étrangers, alors que c'est tellement lâche, et tellement facile. La vente de drogue, hein. De toute façon, tu repars la vente de stupéfiants automatiquement. Oui, mais la drogue, c'est pas uniquement des étrangers. Et de deux, c'est plus dans des milieux défavorisés, c'est-à-dire les banlieues, par exemple. Ou les cités. Oui, bon, voilà. C'est en train de se marginaliser un peu partout. La preuve, c'est en train de venir au niveau des centres-villes. Ah oui, mais ça, c'est encore autre chose. Bah, forcément, parce que c'est là où il y a plus d'argent, forcément. Mais ils n'ont pas intérêt. Ouais, mais bon, après, voilà. Au départ, ça, c'était que dans les quartiers, dans les cités, dans les quartiers que ça se vendait. Maintenant, ça se fait partout. Mais le problème, le problème, il a été. Il est encore plus haut que... Autre sondage, c'est un terme que je n'ai pas parlé, c'est sur la xénophobie. C'est un sondage qui donnait d'autres indications. Ainsi, une nette majorité des interrogés, qui sont 60% contre 29%, qui estiment que ce sont avant tout les personnes d'origine étrangère qui ne se donnent pas les moyens de s'intégrer. Alors ça, c'est une autre question. C'est marrant, c'est un sondage réel. Il est récent. Alors, il y aurait quand même, mais c'est une estimation. Hein, 60%. Une nette majorité. Ce sont des interrogés, c'est ce qu'ils pensent. Oui, c'est pas un cas réel que forcément que c'est ce que pensent sur les étrangers. C'est-à-dire que pour eux, ils estiment que ce sont avant tout les personnes d'origine étrangère qui ne se donnent pas les moyens de s'intégrer. Alors, au niveau de la langue, au niveau des lois. Au niveau de en général pas faux, bah, parce que c'est pas faux, hein. C'est pas faux parce que vivant à Bordeaux et qu'on vit dans un quartier qu'on connaît bien depuis des années, déjà quand ils hurlent dans les transports, c'est infernal, hein. Quand ils ne respectent pas non plus, quand on a été dans le train, hein, par exemple, quand ils hurlent avec leur portable et tout machin, moi ça me dérange pas, c'était des jeunes qui étaient dont deux ou trois avaient des origines, moi ça me dérange pas je serais assis à côté d'une personne d'un jeune maghrébin, je m'en fous, je m'assurerai à côté, je vais pas l'éviter.
Mais par contre, moi je l'éviterai pas personnellement. Mais en revanche, si c'est pour faire du bruit, ne pas respecter les autres, effectivement, les autres vont pas en échange leur dire merci. Et à force à la longue, à force de voir ça, et bien à force, c'est pas qu'on va devenir raciste, c'est qu'on va avoir plus, on va être plus hostile à leur comportement, on va dire. Donc c'est tellement. On n'est pas raciste, c'est au niveau de leur comportement qu'on est hostile. C'est vrai qu'on est. On est réticent par rapport aux manières dont c'est fait. Mmh. Alors, j'ai par exemple, là j'ai un graphique, j'ai des sondages, on va faire simple. Alors, ce sont des chiffres de décembre 2012. Mmh. Alors, les Français juifs sont des Français comme les autres, ils sont 85% à le penser. Les Français musulmans sont des Français comme les autres, on est à 70%. Mmh. D'accord. Les gens du voyage de nationalité française sont des Français comme les autres, on est à 69% qui pensent, qui le pensent. Hein. Mmh. La présence d'immigrés est une source d'enrichissement culturel, on est à 63% qui partagent ce sentiment. En fait, c'est ceux qui partagent ce sentiment-là. C'est une phrase. En fait, je vous donne une phrase. Ah, les étrangers ne veulent pas s'intégrer. C'est-à-dire que 85% estiment que les Français juifs sont des Français comme les autres. Mmh. 70% estiment que les Français sont musulmans, sont des Français comme les autres. Ça va, tu suis jusque-là, le truc. Aujourd'hui, 60... Ah oui, alors ça, c'est quand même fort. 69%. Dépensés pensent qu'il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France. Ah, 69%, il n'y a pas de racisme. C'est quand même impressionnant. Je crois qu'on est entre 100 000 et 200 000 par an, si je me souviens bien au niveau des chiffres des immigrés en France. On accueille entre 100 000 et 200 000 immigrés par an. Est-ce que c'est trop? Ça veut dire qu'à force... Est-ce que là-dedans ils comptent les clandestins? Ah bah forcément ils comptent tout. Ah mais tout est compris là, là-dedans. Alors le problème là-dedans, c'est qu'on n'est pas contre d'accueillir les étrangers, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, et ça il faut être honnête, et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, c'est qu'à force d'accueillir des gens en France, eh bien on a presque plus les moyens à la fois au niveau du chômage, au niveau de l'emploi, au niveau du logement. On n'a plus les moyens du tout là. On arrive plus. On est en train de couler. Au niveau de l'accès à l'emploi et au niveau de l'accès au logement, ça devient de plus en plus difficile parce que malheureusement on accueille de plus en plus de personnes en France et il faut les loger, il faut les nourrir, il faut qu'ils aient un emploi. Et malheureusement, le chômage et l'accès au logement devient de plus en plus difficile à cause, en partie, il faut être honnête, en partie, de l'immigration qui est trop forte, on va dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être raciste pour autant. Mmh. Qui est responsable? C'est pas les étrangers. On autorise les étrangers à venir en France. On va pas détester les étrangers qu'ils aient droit à ça. L'immigration, le service de l'immigration ne fait pas en sorte. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on se trompe de coupable. Ce que je veux dire, c'est qu'on met sur le dos des étrangers qui viennent en France, alors oui, que c'est pas la faute des étrangers. Non, c'est l'immigration. C'est pas non plus la faute de l'immigration. C'est la faute des lois. De lois, oui. Pour moi, c'est les lois qui autorisent ça et qui finalement, tant que les lois autorisent, écoutez, nous sommes étrangers puisqu'on a droit à ça, on a droit, mais vous ne, voilà, c'est tout. Mais c'est pas parce qu'on réduirait l'immigration qu'on serait raciste, hein. Attention, nuance, hein. Si on réduirait par exemple, si on accueillerait que 50 000 par an, c'est pas pour autant qu'on va devenir raciste. C'est qu'en France, il va y avoir une surpopulation. Au niveau financier, au niveau logement, au niveau emploi, on est mal. Mais c'est surtout qu'en France maintenant, de plus en plus, on est dans une phase de surpopulation et de plus en plus, on a du mal à offrir, que ce soit logement et au niveau travail, tellement qu'on voilà, la population devient de plus en plus dense et de plus en plus forte et qu'on a du mal à offrir ce que un logement décent et un travail tous les jours à force d'accueillir tout le monde. C'est un petit peu ça le problème et qui dérange fortement aujourd'hui. Mais il faut pas pour autant en vouloir à une personne étrangère parce que ce n'est pas lui le fautif. Ah mais qui de toute façon c'est les lois. Les lois, mais le problème qui c'est qui les fait? Ben les députés.
Les députés, les propose. Le Parlement, députés et sénateurs. Non, mais qui c'est qui les propose, les lois? Ah, alors je pense que tu penses du président de la République, je suppose. Mais qui c'est qui vote les lois? C'est les députés et les sénateurs. Voilà. C'est pour moi, c'est lui responsable. Qui c'est qui les propose aux sénateurs alors, et tout ça? Non, c'est bien les citoyens. C'est le président de la République et les ministres qui proposent les lois. Mais bon, c'est autre chose. Voilà, c'est pas resté. Oui, mais c'est encore autre chose, c'est différent. Mais il y a même des députés qui proposent des lois aussi, des amendements, tout ce que vous voulez. Donc pour moi, c'est le Parlement, les ministres et le président de la République, pour moi, qui sont responsables de cette surpopulation. Il faut pas en vouloir, faut pas se tromper de coupable. Hein. On n'a pas à rejeter la faute aux étrangers qui soient autorisés d'être là, quoi. Mmh. Et puis moi, personnellement, le fait qu'ils soient là et de vivre avec eux, moi, ça ne me gêne pas. La seule condition, et ça c'est très important, qu'ils respectent toutes les coutumes et tout ce qui n'impose pas forcément dans leur propre. Ah, mais là, malheureusement, c'est ce que je reproche aussi. Parce que c'est, dans la plupart des trucs, c'est imposé. Et il y a autre chose que j'aime. Il y a un comportement que j'aime pas trop. Voilà, si je peux me permettre, moi, personnellement, et moi aussi, alors, je tiens à préciser que je suis très, 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 très loin d'être raciste, je vous dis franchement, mais il y a certains comportements, effectivement, que nous sommes vraiment pas non plus pour tout ça. C'est par exemple qu'ils sont étrangers et dès qu'on leur dit un truc, ça y est, ils sont victimes. Ça y est, t'as pas le droit de me traiter comme ça parce que je suis étranger. Ça y est, je suis ils sont victimes, ils vont porter plainte quoi. Mmh. Non. Et après et en retour ne pas nous respecter en nous traitant, en nous hurlant dessus, en nous traitant de tous les noms, en nous insultant. Je suis pas d'accord avec ça. Et eux, ils ont le droit de nous insulter parce qu'ils se disent c'est des étrangers. Alors si on nous fait la moindre chose, ça y est, je suis victime, je vais porter plainte. Ça marche pas comme ça. Hein. Voilà, c'est la chose pour moi qui m'énerve. C'est effectivement qu'ils se comportent en se disant bon c'est bon, on est des étrangers, on est protégés par les lois, donc on fait ce qu'on veut. Non. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a des protections de loi qu'il faut se dire que je suis protégé par la loi, donc je fais ce que je veux. Je hurle si je veux, je fais ce que je veux, j'insulte si je veux, je vole si je veux. Non, mais oh, et, on n'est pas au-dessus des lois. La loi, c'est pour tout le monde pareil. Étranger comme français. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, c'est juste le problème, c'est voilà, il y a pas mal de problèmes qui sont. Mais c'est pas du racisme. Résolus. C'est pas du racisme. Attention, qu'on soit bien clair. Ce n'est absolument parce qu'il y a plein de Français qui vivent en France qui se comportent comme ça aussi. Qu'on soit bien vigilant, ce n'est pas du racisme. C'est juste qu'il y a des comportements effectivement qui nous poussent à être racistes. Hein. Non, moi ça ne changera pas. C'est pas parce qu'ils auront des comportements comme ça que je vais devenir raciste. Hein. C'est, alors, je serai jamais raciste parce qu'ils ont des comportements comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on va. On va pas venir vers eux. C'est-à-dire on fera pas l'effort de venir vers des personnes qui ne respectent pas en retour, en quelque sorte. Ah ben voilà, on va pas entamer un dialogue avec eux si eux par derrière ils font en sorte que et aussi pour leur venir en aide parce que ça il faut aussi il faut quand même souligner ça. Ils sont en France en disant ben voilà on a vécu la misère, on est ici, on est là, on a besoin de sous. Ouais, mais c'est pas il y en a qui en abusent aussi. Ah toi tu parles d'abus toi maintenant, pourquoi? Pour abus en quoi? Je suis désolé, mais il y a beaucoup d'abus. Quand t'as des personnes qui envoient carrément leurs gamins faire la manche, excuse-moi du peu, je suis désolé. Qu'est-ce que les gamins ont à voir avec la situation des parents? Les gamins, ils ont quoi? 5 ans? Mmh. Ah, tu veux. Toi, tu. En gros. Je suis désolé, c'est. Tu dénonces le fait qu'ils utilisent leurs enfants pour obtenir faut subvenir leurs besoins, par exemple, tout ce qui est la manche, par exemple. Entre autres, je suppose que tu parles de ça au niveau je parle en général. La mendicité, tu parles de quoi encore? Le travail. Au niveau travail. Pousser les jeunes à travailler pour qu'après les parents aient l'argent. C'est vrai que c'est moche, quoi. Et envoyer les gamins pour que les parents puissent récupérer l'argent qu'ils collectent, que les gamins reçoivent des gens qui donnent pour faire venir leurs grands-parents. Alors ça c'est voilà, c'est ce qui s'appelle une chaîne sans fin. Alors c'est assez surprenant que tu dises ça parce que j'ai entendu pas mal de choses sur ce point-là. Il suffit d'un membre d'une famille, c'est quelque chose que j'ai entendu, qui effectivement
mérite beaucoup de questions. Tout ça, c'est que voilà, il y a une personne d'une famille qui va en France et qui vit en France, qui est après, plus loin, déclarée nationalité française. Parfait pour lui. Et petit à petit, eh ben, il fait venir sa famille en France. La mère, le père, les grands-parents, les frères et sœurs, et après toute la famille est en France et en la nationalité. Et à force, voilà, en gros, il suffit d'un membre, il suffit d'envoyer un seul membre de la famille en France pour après faire venir les autres membres de la famille. Je trouve ça un peu effectivement abusé personnellement. Et ça continue encore, et ça continue comme ça. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle les réseaux. À titre personnel, cet abus-là, effectivement, je suis pas d'accord. C'est ce genre d'abus, mais c'est pas du racisme pour autant. Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est juste une. Effectivement, un petit peu d'abus, effectivement. Mais il y a de l'abus complet. Oui. Il y a de l'abus complet. On peut le dénoncer, mais c'est pas méchant. Il faut surtout pas que les personnes étrangères prennent ça très mal, parce qu'au contraire, on vous soutient. C'est juste. Je ne dis pas ça que pour les étrangers. Je dis ça aussi pour les Français qui font la même chose. Je dis ça en général. Je fais ça. Je relève cette remarque juste en général. C'est tout. J'ai visé personne. Qu'on se mette bien les choses au clair. Je ne vise personne, aucune nationalité, aucune voilà. Je vise personne. C'est tout. Voilà, c'est juste une remarque que je fais. Il y a de l'abus. Si je peux me permettre, tout à l'heure, j'ai parlé que alors on aurait dit que la France, soi-disant que la France est le pays le moins raciste du monde. C'est ce qui a été dit par Marine Le Pen. Alors, il y a une étude suédoise récente toujours qui n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça a été basé sur une enquête mondiale qui a été menée par deux économistes dans 80 pays, dont la France. Elle demandait à des échantillons de personnes qu'elle ne voudrait pas avoir pour voisins. Alors, le Washington Post en avait extrait une carte basée sur le taux de réponse indiquant des gens d'une autre race. Et si ce taux était de moins de 5% aux États-Unis, d'accord? En revanche, le chiffre oscillait entre 20 et 30% pour la France. Et après, on va dire que c'est le pays le moins raciste. Et je continue. On est entre 20 et 30%, mais c'est le moins raciste. Et là encore, si ce type d'étude reste partiel, il permet de donner des pistes quand même. Hein, il faut quand même le souligner. Et alors là, faudrait qu'on m'explique comment on ne peut pas être raciste en étant à entre 20 et 30%. Alors, dernier rapport, la CNCDH, c'est les droits de l'homme, hein, qui rappelait dans son dernier rapport la forte augmentation des actes et, j'ai bien dit, des actes et des menaces à caractère raciste en hausse de 23% en un an. 23% de augmentation. Il y a pas ça, il y a moins de racistes en France. Cherchez l'erreur. D'ailleurs, j'ai un petit graphique qui illustre tout ça. C'est de la hausse. Ah oui, alors, j'ai le graphique devant moi. Vous allez voir la montée. Par exemple, en 1992, alors j'ai en rouge, je vais essayer de vous faire très vite parce que voilà, racisme et xénophobie. On est passé de 200 actes et menaces en 1992 à peu près 800. Ça veut dire 4 fois plus. La courbe qui a le plus augmenté, c'est au total. C'est le total, c'est-à-dire antisémitisme, racisme, xénophobie. Alors écoutez bien ça. On est passé de un peu plus de 200 en 1982 à 20 ans après, en 2012, à 1500. Et à part ça, et j'ai bien dit, France. Et la France n'est pas raciste. Cherchez l'erreur. Et à part ça, la France n'est pas plus raciste. On a quand même fait on est passé de un peu plus de 200 menaces et actes en 20 ans. 1500. En 20 ans, on est passé à 1500. Mieux à part ça, on n'est pas plus raciste. Ouais, si avec ça. Oui. 3 fois plus. Ah non, plus que ça. 10 fois plus. Ouais, 10 fois plus. 10 fois, à peu près 10 fois plus, parce qu'on est pas, on va dire, oui, parce qu'on est passé de 250 à 1500. Oui, c'est ça. 250. Oui. À 1500. En 20 ans. En 20 ans. Oui, ça fait. Donc, et puis, qu'est-ce que ça va être encore dans 20 ans? On va doubler, je suppose. Voire tripler. Alors, imaginez, il faut que cela cesse très très vite, je pense. Et pour moi, même s'il y a des comportements auxquels on n'est pas d'accord sur leur comportement, ça ne donne pas le droit aux gens de les menacer et de les traiter de tous les noms. Je suis désolé. Et puis, ce que je ne comprends pas, on ne doit pas en faire une généralité, c'est ça que je veux dire. On ne doit pas généraliser les choses, les comportements. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une personne se comporte mal, qu'il soit arrogant, qu'il soit mal, qu'il aucun respect, tout ça, qu'il faut traiter les autres qui n'ont rien fait de mal.
qui sont à côté, qui n'ont rien fait, sale noire, sale ci, sale... Non. Non, non, ça c'est hors de question. On n'a pas à s'en prendre à tous les personnes étrangères parce qu'une personne étrangère est comme ça. Pour moi, c'est quelque chose de très très important que je suis en train d'expliquer. Voilà. Ouais, non, mais voilà, après, ce que les gens ils en pensent, voilà. C'est hier. Mm-hmm. C'est hier, j'étais en train de discuter en allant chercher ma carte de bus. J'étais en train de discuter dans le bus avec une personne âgée. Mais à un moment, on était en train de discuter un peu de tout ce qui se passait par rapport à la vie. Et à un moment, je l'entendais donner ses propos, ses arguments, ses machins sur la discussion. Puis je lui ai dit... Je lui ai dit, mais on est le 21 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale contre le racisme que je lui fais. Mmh. Elle me fait, ah mais moi... Elle, et voilà la réponse qu'elle me fait. Oh ben les étrangers commencent à nous faire chier, vivement qu'ils retournent tous dans leur pays. J'ai fait franchement vous foutez de moi là. Mmh. C'est pas parce que ils sont étrangers qu'ils sont pas comme vous et comme moi. C'est juste qu'au niveau des lois ils ont magouillé, c'est tout. Elle me dit, ouais, vous avez peut-être raison, mais de toute façon, je ne changerai pas d'avis. Ça tombe bien parce que j'aurais quelques. Voilà, des phrases courantes qui sont insupportables, notamment sur Internet, parce que vous savez que malheureusement, on parle beaucoup d'homophobie sur Internet, mais le racisme a aussi augmenté sur Internet. Mmh. Je vais en parler tout à l'heure. Voilà, quelques phrases qui sont très, très réticentes et qui sont même insupportables à entendre. Je vais vous parler un petit peu de ce que la France, voilà, l'engagement de la France sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Youf, j'ai réussi. Donc la France est fortement attachée à l'universalité des droits de l'homme. Entre guillemets, pour moi personnellement, parce que c'est vrai qu'on est très, nous personnellement, on est très attaché aux droits de l'homme. Est-ce que la France respecte les droits de l'homme? Ça mérite question. Donc la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie constitue ainsi une priorité essentielle de l'action extérieure de la France. Alors au niveau international, qu'est-ce que la France fait? Alors en fait, la France fait partie de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En tant qu'État partie, elle est tenue de rendre compte au comité, alors c'est le CERD, de la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Par ailleurs, la France est engagée activement et avec vigilance dans le processus de suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, qui s'est tenue en 2001 à Durban au passage. Alors les travaux de suivi ont pour objectif de permettre une évaluation de la lutte contre la discrimination raciale, l'accroissement de la prise de conscience du racisme et de ses conséquences, la formulation de recommandations consensuelles aux Nations Unies et aux États. Ça, c'est au niveau international. Maintenant, au niveau européen, ça, c'est très important. Ça nous concerne beaucoup. Alors, la France qui soutient les travaux du Conseil de l'Europe, qui traite de ce sujet sur le racisme, à travers la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, ça, c'est le ECRI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Également aussi, ceux de l'Organisation pour la sécurité et de la coopération en Europe, c'est l'OSCE, ça, c'est plus connu déjà. Et au sein de l'OSCE, la France appuie en particulier les programmes mis en œuvre par l'unité tolérance et non-discrimination du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme. La France a également œuvré dernièrement pour l'adoption de la décision cadre sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, proposée par la Commission européenne en 2001 et adoptée le 28 novembre 2008 sous présidence française de l'Union européenne. À l'époque, c'était Monsieur Sarkozy. Au niveau national, cette fois en France même, au niveau national, donc conformément aux recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le fameux CERD, et à l'engagement qu'elle a pris à cette occasion, il y a un plan national qui existe, c'est un plan national d'action contre le racisme et l'antisémitisme et qui a été adopté en février 2012, c'est récent, et un délégué interministériel pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme a été nommé. Donc ce dernier, qui, oui, tu vois un petit peu comment fonctionne
comment dire, vous aidez-moi, la HALDE, tout ça. Mais c'est un petit peu le même principe avec le défenseur des droits, par exemple. C'est un petit peu la même chose. Oui. Donc, ce dernier a pour mission d'assurer l'animation du travail interministériel et la cohérence de l'action de l'État sur le terrain, ainsi que de jouer un rôle d'impulsion, de proposition et d'évaluation. Il est également responsable de la coordination et de la mise en œuvre du plan national d'action et chargé de préparer les réunions du comité interministériel de lutte contre le racisme et d'antisémitisme qui a été créé en 2003. C'est pas, c'est vrai que quand vous êtes victime de racisme et d'antisémitisme, vous pouvez toujours faire appel au, parce que là j'ai parlé de du CERD, du plan national, rien à voir avec le défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est au cas où si vous êtes victime d'une discrimination quelconque ou d'un jour ou racisement, que ce soit raciste, homophobe, de toute forme de discrimination, vous pouvez faire appel au défenseur des droits. J'en parlerai tout à l'heure. Je reviens sur le plan national. Alors, sur le plan répressif, la France s'est progressivement dotée d'un dispositif pénal exemplaire au niveau international et d'une politique éducative, culturelle, sportive qui aborde tous les aspects de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et promeut concrètement l'égalité des chances. Voilà. Donc ça c'est un petit peu l'engagement de la France au niveau national, européen et international. Ça paraît compliqué, mais en tout cas, c'est les engagements de la France sur les plans par rapport contre le racisme et l'antisémitisme. Je trouve ça un peu faible, personnellement. Ouais. Après, ce sont que des plans. J'en ai pas entendu parler personnellement. J'en ai pas tant entendu parler que ça. De quoi ? Bah, de ces plans. On en entend très très rarement. On n'en entend même pas du tout. C'est beaucoup les associations, je trouve, qui militent contre le racisme plutôt que le gouvernement et les politiques. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de plus. Je donne plus. Comment vous dire, mon respect par rapport à la lutte contre le racisme à toutes les associations. SOS Racisme en particulier, bien sûr, et Amnesty International, bien sûr, les deux qu'il faut citer, qui vont, eux, par contre, vont vraiment à fond sur. Ils cherchent pas, ils rentrent dans le tas. Hein. Alors, il y a un sondage qui dérange. Alors, ça, cette fois, j'en ai parlé tout à l'heure parce qu'on parle beaucoup de racisme anti-noir. Et il y a un sondage qui dérange qui a été diffusé récemment en début de cette année 2014, c'est qu'il y a un racisme anti-blanc qui existe. Et c'est un tabou français. Alors je vais expliquer pourquoi. C'est un sondage qui a été dit pour 47% des Français, gauche et droite confondus, parce qu'on va pas faire de politique là-dedans. Gauche et droite, Le racisme anti-blanc est un phénomène assez répandu en France. Pour 47% des Français. C'est quand même impressionnant. Ça fait un Français sur deux. Un Français sur deux, pratiquement, pas tout à fait, mais pratiquement. Je vous donne pas en détail parce qu'il y a des détails au niveau des partis politiques. Faute de municipal de 2014, on n'en fera pas. Je ne vous ferai pas de détails. De toute façon, c'est pas notre but. Mais aujourd'hui, on peut pas, et la semaine prochaine non plus d'ailleurs. Donc voilà, c'était juste pour vous parler aussi de ce fameux racisme anti-blanc qui existe. Est-ce que toi, t'as été victime de racisme envers parce que tu étais blanc? Moi personnellement non. Moi personnellement non, j'étais. Est-ce qu'on t'a dit oui, je te rejette parce que t'es blanc? Non. Moi personnellement, c'est rare. Hein. Je pense que c'est rare, mais ça existe. Hein, par contre. Hein. Mais ça, 47%, je trouve ça un peu énorme quand même. Je trouve que. Ah mais je trouve ça un peu beaucoup. Hein. C'est un peu bizarre. Alors, quelles sont les villes les plus impliquées? Ça, on peut en parler. Parce que là, on ne parle pas des maires, des mairies, tout ça. Alors, à Paris, on ne fait pas. Paris, ça fait partie des bons élèves. Il y a trois villes qu'on peut noter en bons élèves sur la lutte contre le racisme. C'est Paris, Montreuil et Villeurbanne. Voilà, ça, ce sont les trois Bordeaux villes. Bordeaux fait partie des. Bordeaux n'est même pas dans le. Bordeaux, Marseille et tout ça fait partie. Marseille, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est dans les Lanternes Rouges, au hasard. Hein. Et au hasard, et ça va beaucoup plaire à une personne qui fait partie de notre chat en ce moment, c'est que dans les Lanternes Rouges, il y a Marseille, je l'ai dit, et il y a Aix-en-Provence. Encore, ça m'étonne pas. Il y a Aix-en-Provence et Versailles. Versailles, ça paraît surprenant. Versailles, par contre. Ouais, quand même, c'est étonnant. C'est assez étonnant, Versailles, mais ça fait partie des Lanternes Rouges au niveau du baromètre par rapport à la lutte contre le racisme. Alors, il y a un baromètre qui a été publié donc en fin 2013. Je vais essayer de. Je sais pas si j'ai le truc exact. J'ai des notes, par exemple, rien de concret qui a été fait à Marseille, avec des notes qui vont de 10 ou G à Marseille. À 79, alors la ville, la meilleure note, la mieux notée, c'est Villeurbanne, avec 79 points, avec un A. Et la ville la moins bien notée, c'est Marseille, avec 10 points.
Voilà la pire ville au niveau racisme. Au hasard, hein. C'est la deuxième ville de France, c'est quand même la deuxième ville de France, et qui est la pire des villes au niveau racisme. C'est quand même très fort. Marseille, de toute façon, a toujours été réputée par rapport à sa ville de raciste. Alors, parce que Marseille, qui est une ville multiculturelle, et d'ailleurs, il faut quand même. Mais multiculturelle, mais alors pas dans le bon sens du terme, par contre. Hein. Voilà. C'est quand même quelque chose que je ne comprends pas personnellement. Mais vu les violences et tout ce qu'on voit là-bas, à la fois, c'est pas une surprise. Hein. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Ouais. Ensuite, donc il y a le baromètre qui a aussi une dimension politique qu'on ne fera pas, parce qu'on ne peut pas. Et cette étude qui vise notamment à fournir des outils aux élus par rapport au municipal, et à cet effet, un guide des bonnes pratiques a été présenté le 8 janvier dernier dans un colloque à Paris. Ça, c'est pour les maires, mais on ne fera pas de débat là-dessus. Ensuite, on va revenir sur la journée d'hier, 21 mars, journée internationale pour l'élimination. Alors, la journée exacte, c'est pas journée contre le racisme. Hein. Ça s'appelle exactement journée internationale pour l'élimination et de la discrimination raciale. C'est plus long, mais c'est le terme exact. Non, mais c'est la journée internationale contre le racisme. Cette journée donc, a été célébrée chaque année le 21 mars, donc le jour du printemps. Pour commémorer ce jour depuis... c'est pour commémorer en fait ce jour de 1960. Où à Chapperville, en Afrique du Sud, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre des lois relatives aux laissez-passer imposés par l'apartheid. On va revenir sur l'histoire de Mandela. Donc, en proclamant la journée internationale, alors est-ce que tu sais quand a été promue cette journée internationale? Ça date pas d'aujourd'hui. D'après toi, vers quand? Dans les années combien, d'après toi? Plus dans les années 60. Exactement, 1966 pour être exact. Donc en 1966, l'Assemblée a engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Donc c'est la résolution 2142. Il y a un message de Kofi Annan qu'on connaît bien, qui est donc lors de la journée de 2004. Kofi Annan de l'ONU, qui est secrétaire général des Nations Unies, qui a eu l'occasion de diffuser le message suivant. Écoutez bien ce qu'a dit Kofi Annan en 2004. Il a dit le 21 mars 1960, une manifestation non violente de protestation contre la loi sur les laissez-passer, une des institutions les plus au nid de l'apartheid, eut lieu à Sharpeville, en Afrique du Sud. Bilan, 69 morts parmi les manifestants. Le massacre de Sharpeville fut un moment décisif dans la lutte contre l'apartheid. Il amena ainsi l'Assemblée générale des Nations Unies à instituer cette journée annuelle dont l'objet, alors écoutez bien l'objet de cette journée, par contre c'est très important, l'objet est d'appeler l'attention sur la lutte contre le racisme, où qu'il se manifeste et quelle que soit l'époque. Donc l'objectif c'est l'attention, c'est en gros c'est plus l'objet préventif de prévention et de sensibilisation plutôt. Sensibilisation au niveau du racisme. Alors en 2004, ça a été le dixième anniversaire du génocide rwandais, qui rappelle d'ailleurs les horreurs qui peut entraîner la haine ethnique et raciale. Et c'est aussi celle du bicentenaire de la révolution à Haïti, grâce à laquelle les peuples des Caraïbes et d'Amérique latine furent libérés de l'esclavage. En 2004. Et c'est enfin, comme l'a décidé l'Assemblée générale, c'est l'année internationale de commémoration de la lutte contre l'esclavage et de son abolition. Et ça, on a oublié de le dire et c'est très important de le souligner. Alors, cela veut dire que nous devons mettre fin aux conséquences qui persistent à ce jour de l'esclavage et du commerce des esclaves, parce qu'on parle beaucoup de racisme, mais il y a aussi le problème de l'esclavage, et tu en as parlé tout à l'heure par rapport aux enfants d'ailleurs, par exemple, et aussi le fait qu'on traite des personnes étrangères comme des sous-fifres, en quelque sorte, et aussi, ça c'est tellement dégueulasse, et ça existe encore aujourd'hui, hein. On en a parlé il n'y a pas très longtemps de ça, il y a un chiffre, qu'il y a un million, si je me souviens bien, on en a parlé il y a 15 jours, trois semaines, un million encore est considéré comme esclave ou qui travaille avec du travail forcé dans le monde, même je crois même que c'est du 2 millions. Et il y en a beaucoup en Afrique. Ça se passe en Afrique, en Chine et au Japon, je crois, le plus souvent. C'est la Chine et le Japon qui est le numéro 1. Normal, parce que c'est les plus peuplés au niveau du monde. Donc forcément, c'est normal. Ouais, mais par rapport à ces pratiques-là, voilà. Alors, pour rappel que le racisme est aussi une des racines du génocide. On n'en a pas parlé, mais il faut le souligner. Les pratiques racistes, les idéologies racistes et les discours déshumanisants, ça c'est un très joli mot, discours déshumanisants qui nient la dignité et les droits de groupes entiers doivent être condamnés, punis par la loi.
toute forme, et là je dis bien qui que ce soit, c'est pas parce qu'il y en a certains qui sont ça m'énerve, ça m'embête, on est en pleine municipale, on peut pas aller plus loin, mais il y a certaines personnes qui sont haut placées, qui ne sont pas punies par la loi, que ça devrait être le cas, et qui se donnent des libertés, qui se permettent de tout. Moi je trouve ça ignoble. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des gens qui se sentent d'ailleurs des personnes aisées. On va dire au niveau financier, qui traite d'ailleurs des personnes étrangères comme des sous-fifres. Toi, t'es un esclave, fais ci, fais là, t'es noir. Ah ben t'es noir, ben écoute, t'es noir. Tu vas faire le truc par terre, fais la vaisselle, fais ci. C'est pas un chien des étrangers. Faut pas les traiter comme ça non plus. Moi, on en a parlé. Je le répète à nouveau parce que c'est très important de le dire. Je précise, condamner, malheureusement, ne suffit pas. Ça c'est très intéressant. Donc condamner ne suffit pas, c'est très important de le dire. Nous devons aussi renforcer nos capacités d'alerte rapide et de prévention des génocides, des massacres, des nettoyages ethniques et des autres crimes du même genre et soutenir vraiment les efforts déployés pour que les coupables soient traduits en justice, notamment devant la Cour pénale internationale. Ça, c'est très important. Et on compte aussi nommer prochainement, donc ça c'est Kofi Annan qui a compté nommer prochainement un conseiller spécial pour la prévention du génocide et faire d'autres propositions visant à renforcer leur action dans ce domaine. La tolérance, tiens, joli mot, tiens, la tolérance. Mmh. Ah, joli mot. C'est le contraire du racisme, justement. Oui. Est-ce que les gens peuvent être tolérants? En quoi? Ben la tolérance, c'est plus difficile, parce qu'il faut. Le problème, c'est qu'on parle le contraire de la tolérance, c'est par rapport à leur comportement. Mmh. Il y a certains comportements. C'est de l'intolérance. Oui, mais on ne peut pas non plus être d'accord sur tout. Surtout, c'est sûr. Après, ça dépend comment c'est fait. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas évident. C'est quand même un mot qui est plus difficile et plus délicat à mettre en pratique, parce que on peut pas. Je suis contre toute forme de racisme. Alors, dans toutes les formes, que ce soit les propos, les actes, les violences, tout ce que vous voulez, ça, je suis contre. En revanche, tolérer tous les comportements... Non. Non, moi, je suis sûr que non. Plus difficile, ça. On peut pas tolérer tout ce qui se passe. Non, mais là, c'est plus délicat, parce qu'on peut pas tolérer quand même tout. On peut pas tout tolérer, on va pas leur laisser faire des crimes, on va pas leur laisser faire des... Ah non, c'est sûr. Tout ce qu'ils font, toute la façon qu'ils parlent, qu'ils traitent des gens, des fois, parce que eux, en retour, bon, même si ils ont pas non plus à traiter en retour, par la violence, par les agressions, par les vols, et on va pas tolérer ça non plus. Donc, non, mais c'est sûr. Le mot tolérance, c'est... Voilà. Ah, c'est difficile, le mot tolérance. Tolérance, hein. On peut pas devenir tolérant si on est intolérant avec nous. Pour être tolérant, faut déjà que la personne respecte. Voilà. Soit tolérant. Tolérant, mais aussi respectueuse. C'est-à-dire il y a le mot respect d'autrui, surtout. Ah ben, c'est-à-dire le respect mutuel. Les Français doivent respecter les étrangers, tout comme les étrangers doivent respecter les Français. Vice-versa, donnant, et tout le monde se portera meilleur. Mais pour être tolérant, faut qu'il y ait déjà du respect. Ouais. Si je peux me permettre, mais bon, malheureusement, c'est pas gagné en ce moment vu ce qui se passe. Mais bon, mais c'est respect, pas égalité, il y en a pas. Mais ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas impossible. Ah, c'est pas impossible. Mais ça va mettre combien de temps avant de... Oula, très longtemps, je pense. Ça fait déjà des années que ça existe. Alors, je vois pas. Je sais pas ce qu'ils vont. Comment ils vont réussir. Mais bon. Bon, ça, ce n'est que. Un mot, c'est quelque chose qu'il fallait souligner. Alors, on a parlé d'une association et que je souhaite mettre en avant, parce que c'est une association qui mérite d'être en avant, que par rapport à leur combat, par rapport à leurs engagements, tout ce qu'ils donnent, tout ce qu'ils font par rapport à la lutte contre le racisme, c'est évidemment SOS Racisme. Évidemment. Alors, je vais essayer de... Touche pas à mon pote, c'est la même chose. C'est le logo. Hein. Même, c'est voilà. Le logo d'SOS Racisme. Voilà. Hein, touche pas à mon pote. Hein. Alors, SOS Racisme, donc il y a un communiqué qui date de 2011. C'est le dernier, malheureusement, qu'on a parce qu'il n'y en a pas d'autres. Alors, pour eux, SOS Racisme qui constate au quotidien des failles de la République, qui sont les ghettos et les discriminations qui ont été pour les forces intégristes une formidable occasion d'expliquer que c'est bien la République qu'il fallait abattre. Donc la République, c'est-à-dire c'est pas nous, mais la République. Donc pour SOS Racisme, au contraire,
Lorsqu'il existe des failles dans la République, le seul moyen de résorber ces failles, c'est bien d'avoir l'ambition de faire vivre l'égalité républicaine. Donc le fameux mot l'égalité, chose que je viens d'expliquer un petit peu dans le sens respect mutuel, mmh. justement. Ouais, voilà, c'est un petit peu. J'ai pas osé prononcer le mot égalité tellement qu'on bassine avec ce mot en ce moment. Mmh. Alors j'ai préféré un petit peu aller ailleurs en expliquant autrement le mot égalité. Alors c'est ainsi le rôle d'SOS Racisme de rappeler que les valeurs de la République sont les seules à même de permettre à chacun de s'épanouir dans la société. Mmh. Il est aussi du rôle des SOS Racisme de défendre ces valeurs lorsqu'elles sont attaquées et remises en cause. D'ailleurs, SOS Racisme qui l'a fait d'ailleurs sur la laïcité, entre autres. La défense de la République qui ne peut pas se réduire à de simples rappels à la règle. Défendre la République, c'est la faire considérer comme une source d'émancipation. C'est la rendre crédible en faisant que ces valeurs soient vécues par tous et partout dans le quotidien. Défendre la République, c'est aussi lutter sans relâche contre les ghettos et les discriminations. Bien sûr, et j'insiste bien sur le mot sans relâche. Mmh, mmh. C'est-à-dire continuellement et sans cesse. Pour cela, donc il est urgent de rompre avec le discours de victimisation dans lequel certains ils y voient là un moyen d'apaiser leur conscience, souhaiteraient enfermer les jeunes générations. Le rôle des SOS Racisme d'ailleurs consiste non pas à considérer les gens comme des victimes, mais comme des acteurs de la société qui ont le pouvoir de la faire évoluer. Le rôle aussi toujours de SOS Racisme qui est ainsi de contribuer à ce que de nouvelles générations s'engagent dans le combat antiraciste pour affirmer qu'il est urgent de lutter contre le fascisme et le communautarisme pour construire une société qui refuse que les gens se construisent les uns comme les autres. Dans une période d'incertitude, de doute, de crispation aussi bien dans le monde qu'en France, il est urgent de trouver une nouvelle dynamique antiraciste pour que les gens se battent sur des perspectives positives en ayant la volonté de bâtir la République métissée. Le combat antiraciste, et là ça va être long, hein, c'est très très long, mais il y a urgence, je dirais même. Ce combat antiraciste qui reste un combat à mener sans cesse, car il pose à chaque génération la question de savoir si on veut vivre ensemble et comment on veut vivre ensemble. Ça, c'est une très bonne question. Ouais. C'est le but recherché. Maintenant, il y a une histoire de respect mutuel et tolérance des deux parties. Voilà, on va parler de tolérance, mais il ne faut pas que ça soit que dans un sens. Il faut que ça soit dans les deux sens. Et là, le monde s'emportera mieux. Et il y aura moins de guerre, en plus. Il faut quand même le préciser. Parce que le côté racisme, le côté guerre et tout ça, le racisme ne doit pas... Bon, je sais qu'il y a le côté religion, mais le racisme n'est pas non plus étranger à tout ça. Il faut quand même le préciser aussi. Mmh. Alors... Bâtir aussi la République métissée n'est donc pas un loisir. Construire la République métissée, c'est comprendre qu'il existe un combat fondamental qui rend tous les autres possibles. Et le combat antiraciste, tout simplement. Ce combat qui, donc, SOS Racisme l'a remporté, car ils sont forts de son dynamisme, de leur énergie et de leur conviction. Donc eux, ils sont vraiment avec énergie et tout ça. Eux, ils sont sûrs que le racisme va être vaincu. C'est très prétentieux, mais pour moi possible. Pour moi personnellement, c'est très possible. Mais ça dépend pas de ça dépend de chacun de nous. Ça dépend pas uniquement des politiques ou de tout ça. Ça dépend de tout le monde. Ah mais ça dépend de tout le monde. Mais normalement, les politiques sont en première vie. Et d'ailleurs, pour faire vivre toutes ces convictions, SOS Racisme, qui peuvent compter sur l'énorme potentiel de fraternité que renferme la jeunesse black, blanc, beurre. C'est bien, je dis ça. Ouais. Je trouve black, blanc, beurre. Ben, forcément. Il manquerait les Chinois, parce qu'ils sont pas beurre, les Chinois. Mais, faut pas les mettre black, de côté. Blanc, bleu, beurre, jaune. Ils sont pas jaunes, Chinois. Métissé, c'est à peu près. Il n'y a pas le mot métissé, je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré le mot métissé ou le mot. Pourquoi sais pas. Ils ont pris black, blanc, ben, c'est les 3B, si tu préfères. 3B, ouais. Tout simplement, c'est un petit peu ça, c'est les fameuses règles du 3B. Mais il manquerait effectivement un autre. Le 3B. Mais il manquerait quand même le côté. Après, métissé. Le triple A, nous avons les 3B. Ah non, mais alors là, le triple A, c'est encore autre chose. Pourquoi ils se basent simplement sur les. Sur l'alphabet, mais il pourrait pas faire des lettres. Non, mais c'est mignon. En sorte mais pourquoi de... pas. Mais au moment, c'est facile à retenir les 3B. C'est bon. Du moment que c'est pas non plus les 3T, ça ira. Mm. Non, c'est autre chose. C'est un groupe de musique. Ça n'a rien à voir. Bon, je veux par rapport à SOS Racisme, je voudrais finir sur un mot de la présidente qui s'appelle Cindy Léoni. Elle a dit ceci.
Voilà ce qu'elle a dit. Comme vous le savez, SOS Racisme a toujours eu à cœur de défendre les valeurs de l'égalité et du vivre ensemble. Dans un contexte marqué par la montée de l'extrême droite et des propos de stigmatisation de plus en plus décomplexés, il est essentiel que chacun puisse disposer des arguments nécessaires pour faire triompher la conception de la France qui est la vôtre, celle d'un pays fraternel et métissé. Voilà les paroles de Cindy Léoni, présidente de SOS Racisme. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, qui souhaitent s'engager, faire des dons ou même devenir bénévole à cette association qui mérite d'être très connue, SOS Racisme, www.sos-racisme.org, tout simplement. Et je répète, www.sos-racisme.org. Tu voudrais dire quelque chose en plus? Tu les as côtoyés, cette association? On les a côtoyés beaucoup dans les manifestations parce qu'ils nous... Oui, j'ai côtoyé Amnesty International aussi. Ah non, je parle des SOS Racisme pour l'instant. Amnesty, c'est autre chose. J'ai pas eu l'occasion encore de les côtoyer, de les rencontrer, mais je vais pas tarder à le faire. On va finir le sujet sur la lutte contre le racisme. Je vais finir par deux sujets importants. La montée du racisme sur Internet, parce qu'on parle beaucoup d'homophobie, tout ça, mais le racisme existe effectivement sur Internet. L'antisémitisme aussi, tout ce qu'on voit. Je vous donne un exemple, par exemple, sur un réseau social que je ne vais pas nommer. On voit par exemple des photos de jeunes qui sont des étrangers et qui se font... Soit qu'on les voit tués, soit qu'on les voit assassinés, tout ça. Je trouve ça tellement nul, tellement moche. Tout ça parce qu'ils sont d'origine étrangère. C'est nul. Mmh. Tout ce qui est esclavage aussi. Voilà, je me demande comment on fait pour autoriser des choses pareilles sur Internet, comment on peut laisser diffuser des choses pareilles sur Internet. Et je précise, il faut rappeler un détail, c'est que la loi contre les discriminations, la loi sur la liberté de la presse de 1881, maintenant punit... tout ce qui est propos haineux envers les personnes d'origine étrangère, d'une race, tout ce que vous voulez, d'une nation, d'une race, d'une religion aussi, c'est puni maintenant par la loi de 1881, tout ce qui est injure et diffamation raciale sur Internet. C'est la même loi. Donc maintenant, on peut porter plainte pour tout ça. Et je précise. D'accord, mais est-ce qu'on peut attaquer directement les sites? Oui, absolument. Alors, absolument, il y a un site qui existe, c'est signalement-gouv.fr. Alors, c'est un site internet qu'on peut... pas dit qu'il bouge. Alors, ça, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que c'est pas très fiable, je n'ai pas exactement... j'ai effectivement tout... Mais qui c'est qui le gère, ce truc? La police, tout simplement. C'est la police, c'est le gouvernement. En gros, ils s'en foutent complètement. C'est le ministre. Alors, ça, je ne sais pas s'ils s'en foutent, mais... excuse-moi, mais... Je ne sais pas. Il y a beaucoup de signalements qui avaient été faits par rapport à certains trucs... dont les photos sont encore dessus. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, si vous constatez sur un site internet, un blog, même des blogs, alors que ce soit un blog, site internet, commentaires, propos, que ce soit dans les réseaux sociaux, vous pouvez signaler. Alors, il faut, par contre, le lien exact, vous faites un copier-coller du lien du site internet où se situe exactement l'article, vous faites le copier-coller du lien exact que vous avez en haut de l'adresse internet. Dans la barre de recherche. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est pas uniquement le site internet. Hein. Eux, ils veulent le lien exact entier du site. Le lien qui peut faire 2 km de long, c'est pas grave, il faut tout prendre. Vous notez ça, vous allez sur le site signalement-gouv.fr, tout simplement, si c'est signalement.gouv, non, je sais que c'est signalement-gouv.fr. Vous allez sur ce site, vous signalez le site exact avec le propos exact, comme une diffamation, injure raciale, et normalement, j'ai bien dit entre guillemets, normalement, en plus ça sera sous forme de numéro de dossier, parce que vous allez avoir un numéro de dossier en échange sur votre mail, il vous envoie un mail, tout ça, en disant voilà, numéro de dossier, tout ça, conservez-le bien, surtout ce numéro de dossier, parce que c'est très important, parce qu'au cas où s'il n'agisse pas, signalement, que vous avez votre numéro de dossier pour leur dire, leur but, c'est de faire une demande ultérieure. Normalement, le but de ce site et au gouvernement, c'est de faire supprimer justement les sites qui ont des connotations discriminatoires et graves. Surtout des propos graves, normalement, mais bon. Alors, pourquoi il y a... Oui. Pourquoi alors le gouvernement... Le site du gouvernement ne supprime pas, mais carrément ne supprime pas des sites pornographiques et pédophiles. Alors ça, c'est une autre question, parce que c'est pas interdit dans la loi, parce que le site pornographique, c'est juste interdit pour les moins de 18 ans, c'est tout.
Mais c'est interdit chaque de site faire internet. Des sites porno. Alors là, de c'est diffuser des sites porno. Alors là, c'est carrément un autre sujet. C'est-à-dire que les sites pornographiques, ils ont obligatoirement dans leur page d'accueil un carré qui oblige qui déclare sur l'honneur que la personne qui va sur le site a moins de a plus de 18 ans. S'il y a personne, il y a des sites. Et là, c'est quand l'enjeu du sujet là. Dans mon machin, et moi je peux le dire. Comment ça dans ton machin? Dans mon ancien temps. Oui. Avant que il y ait eu tout ça. Le problème, c'est que il y a des sites où tu peux rentrer où les carrés n'existent pas. Non, mais bon, c'est une autre question. On ne peut pas débattre là-dedans. Ce n'est pas du tout le même sujet. Or, ils font pas les choses comme ils devraient. Bon. Mais je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est pas du tout le même sujet. On en a parlé une fois par rapport à Internet. On en avait parlé une fois. Je crois que c'était en 2012, si je me souviens bien. On avait fait une émission là-dessus sur l'insécurité sur Internet. On en avait parlé. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que tout site pornographique a l'obligation de mettre dans la page d'accueil que les personnes doivent être majeures. Ouais, voilà. Mais après, ce n'est plus la responsabilité du site de tricher. C'est la responsabilité de la personne qui triche s'il a plus ou moins 18 ans. Donc c'est plus de la responsabilité. Oui, voilà, mais de toute façon. Oui, mais normalement, tu devrais même pas y avoir accès. Ça devrait être interdit. Ah, mais après, aux parents de faire le contrôle parental, tout simplement. C'est ouais, tout. Oui, mais les jeunes, ils vont y aller sur leur portable, ils vont y aller sur responsabilité, des cybercafés. Responsabilité aux parents de faire le nécessaire, que leurs enfants ne fassent pas, n'aillent pas sur ces genres de sites. Ouais, voilà, c'est tout. Mais non, voilà. Ces sites n'auraient jamais dû exister. Tu ne peux pas reprocher aux sites quelque chose, alors que c'est pas la faute des sites que des mineurs auront dedans, alors qu'il y a des interdictions aux mineurs d'aller dedans et qu'il y a des lois. Pas tous. Pas tous, mais peu importe. Ils sont pas tous sécurisés. Quoi qu'il en soit, c'est un autre sujet. Je ne peux pas. Sinon, dans 2 ans, il y a encore. Et ouais, j'ai pas envie de débattre aujourd'hui de ça. On verra une autre fois. Non, mais c'est juste pour ça. C'est juste pour. C'est une remarque que je te faisais. C'est une remarque. Voilà. Mais on abattra ça un autre jour. Sinon, on va perdre du temps. Je finis par rapport à Internet. Donc, je continue sur ce sujet-là. Là, je reste sur le mot racisme, sur le problème de racisme. Pourquoi en fait, c'est simple. C'est ce que pense la Belgique, parce qu'on parle beaucoup de la France, mais il y a d'autres pays qui pensent qu'il faut oublier que c'est une journée mondiale et pas uniquement une journée française. La Belgique pense que Internet est un nouveau fléau par rapport au racisme. La Belgique qui est particulièrement visée par cette problématique, parce que la Commission contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe l'a récemment pointé du doigt, et en ligne de mire, ce sont les discours de haine qui fleurissent sur Internet. C'est un exemple. Alors malgré tout, le racisme reste un véritable fléau dans notre société, et il est même en recrudescence. Le 4 février dernier, 2014, Patrick Charlier, qui est co-directeur du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, a rappelé lors du chat de midi sur un site info, il a dit ce message. Le message haineux n'est plus un message, tout simplement, c'est un acte. Pour lui, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un appel à la violence, exemple, alors je vous donne un exemple, il faut tuer tous les homos, Hitler n'a pas terminé son travail et c'est bien dommage, c'est un exemple, ou alors une discrimination, exemple, vous devez refuser de louer à des Noirs. Donc là, on est bien sur le racisme. Mmh. Il s'agit bien d'une parole qui devient un acte parce qu'il y a une véritable intention d'inciter un tiers à adopter un comportement, et tout le reste relève de la liberté d'expression. Ça c'est la fameuse liberté d'expression. Ah, nous y revoilà. C'est pas parce que la liberté d'expression existe qu'il faut tout dire, n'importe tout et n'importe quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, j'insiste là-dessus parce que. Il faut savoir modérer. C'est ce que j'ai. Non, parce que j'entends tellement parler de cette fameuse liberté d'expression, de démocratie. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, ils ont oublié le problème depuis qu'ils ont instauré la liberté d'expression. Ils ont complètement oublié les fondamentaux. Alors, on parle quand même de la cybercitoyenneté. Ouais. C'est bien dit. Alors, la cybercitoyenneté, c'est qu'il y a sur Internet des messages et des discours de haine, malheureusement, comme il y en a dans la société en général, donc à l'école, entre voisins, en famille, sur le lieu de travail, au café, dans les stades de foot, etc. Hein. Donc, ouais. Internet, qui donne plus de visibilité et de permanence à ces discours, et de plus, il est vrai qu'Internet offre une forme d'anonymat où le contrôle social est moins fort, malheureusement. C'est pourquoi, d'ailleurs, le centre où est cette personne, Patrick Charlier, avant tout, d'ailleurs, une réaction cybercitoyenne. C'est-à-dire que c'est qu'à chacun d'entre nous, citoyens,
de réagir lorsque l'on est témoin d'un propos. Ça veut dire que nous, en tant que citoyens, dès qu'on voit un propos raciste, haineux, que ce soit homophobe, raciste, la première chose, geste, c'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, le premier geste qu'on fait, c'est de signaler tout simplement les propos, et eh bien, comme je viens de dire, soit signalement.gouv.fr, à la police, aux associations, bien sûr, aux associations caritatives comme SOS Racisme, SOS Homophobie, tout ce que vous voulez, de signaler aux associations ou au gouvernement les propos que vous voyez sur Internet. C'est le premier geste citoyen que nous devons tous faire. Ça, c'est déjà la première chose. Mais je pense qu'on devrait le signaler. Et au moment du signalement, on devrait leur rappeler la loi qui est machin. De toute façon, c'est obligatoire. En disant le signalement, mais qu'ils n'oublient pas que c'est une loi. Alors, qui veut dire qu'ils sont tenus. Parce que si on le fait pas, si on resignale pas la loi qui est mise en vigueur, automatiquement, le signalement ne sert à rien du tout. Alors, par exemple, je vais vous donner un réseau social. C'est pareil, par exemple, pour les vidéos qu'on voit sur Internet, notamment sur YouTube et Dailymotion. Heureusement, merci, c'est modéré. Mais on ne sait jamais, par erreur, au cas où s'il y a un oubli. Si vous constatez, n'hésitez pas. Annuler. Quoi qu'il en soit, première chose à faire avant de signaler à la police, signaler au site Internet, au site mère de l'Internet, par exemple, sur le réseau social, et signaler sur Facebook. Sur Twitter, signaler à Twitter. Sur YouTube, ouais, signaler à YouTube. Si ça ne réagit pas, il faut réagir au gouvernement. C'est-à-dire, c'est américain. Twitter et Facebook, c'est américain. C'est américain, mais pas YouTube. Enfin, YouTube, c'est un peu compliqué. C'est entre les deux. Mais il existe Facebook France, je tiens à préciser. Oui. Même si le site mère de Facebook, il existe Facebook France et Twitter France. Je tiens quand même à le préciser. Donc, ils ont quand même une responsabilité là-dedans. Ils ont une part de responsabilité quand même. Donc, quoi qu'il en soit, première chose à faire, c'est signaler au site concerné auquel est diffusé le propos. Signaler, comme tu viens de dire, c'est pas bête. Faire un commentaire, par exemple, si c'est un blog. Faire un commentaire, et en disant, avec la loi, justement. Voilà, vous ne devriez pas faire ça. Et puis justement, en dessous, bien marquer la loi, que ce soit contre les discriminations, contre le racisme, l'homophobie, tout ce que vous voulez, marquez bien votre l'article de la loi. L'article de la loi punissant l'acte. Et d'ailleurs, tout site internet est censé justement aussi, dans leurs conditions générales d'utilisation, leur CGU, il devrait le diffuser. Il y a une interdiction absolue dans tout. Normalement, c'est censé être dans tous les sites internet que toute forme d'injure, diffamation, discriminatoire, injurieuse, que ce soit racisme, homophobie, tout ce que vous voulez, est interdite et ça devrait être interdit sur tous les sites internet. Pourquoi c'est fait? Parce que malheureusement, je ne sais pas. Parce que c'est la modération qui est mal faite. Mais ça, c'est une autre question. Alors, je finis sur l'histoire d'Internet. Il est vrai qu'il faut faire la distinction entre trois types de discours. Il y a celui qui relève de la liberté d'expression, la fameuse liberté d'expression. Il y a aussi du débat d'idées, chose qu'on est en train de faire nous, personnellement, et qui doit être absolument garanti. Et celui qui relève des discours haineux, et là malheureusement c'est gratuit, ce sont les propos gratuits, mais qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Il faut alors donc contrer ce discours, marquer sa désapprobation, argumenter, démontrer les faussetés et les mensonges, voire même les bêtises. Et enfin, mais c'est dans une minorité de cas, il y a des discours qui sont contraires à la loi et qui doivent être sanctionnés comme tels. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre. Qui devraient fermer carrément les trucs. Mais de toute façon, il y a des avertissements. Si les sites il y a plusieurs avertissements. Au bout de certains avertissements, le site ferme. Je pense que c'est deux ou trois, pas plus. Mais au bout de certains avertissements, le site soit il est condamné, une amende, la prison ou fermeture du site tout simplement, à force de pas respecter les règles. Déjà c'est une amende, après c'est une convocation. Je crois que c'est avertissement premier quand même. C'est un avertissement, après c'est une amende, après c'est de la prison et après c'est la fermeture du site. Mais entre ça, t'as combien d'années qui peuvent passer? Ah, c'est une bonne question, je sais pas. Tu peux avoir 10 ans, ça fait déjà plus de 25 ans que les haines raciales existent, voilà. Et le problème, c'est qu'ils devraient les supprimer direct. Voilà. Alors,
pour finir le sujet du racisme, je souhaite partager voilà 15 remarques qui sont insupportables et qui reviennent le plus souvent par rapport au racisme. Je vais les donner un par un, on va dire ce qu'on en pense. Mmh. Alors la première remarque, voici. Quand je relève mon lieu de naissance, on me répond par un déni non, mais avant, point d'interrogation. Avant quoi? Et me voilà embarqué dans une interrogatoire policier. Sur mon arbre généalogique, on peut être française et de couleur. Voilà, ça c'est la première remarque. Je savais pas qu'il fallait un arbre généalogique pour prouver son identité déjà. Première nouvelle. Ben non. C'est la nouveauté du jour. Ben non. Et pourtant ça existe. Ouais. Bon. C'est une première remarque. La deuxième remarque, je vais donner la deuxième. On m'offre gentiment une boîte de thé. Tiens, c'est du thé des sables. Ça te rappellera ton désert natal. Le thé marocain. Ouais. C'est nul. C'est stupide. C'est nul. Et pourtant, ça existe. Comment on peut oser dire ça? Ça te rappelle ton truc natal. Et alors, la personne sait d'où il vient quand même, parce que je sache, ouais. Mais il n'y a pas besoin d'en remettre une couche. Non, mais c'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils attaquent. Ils font des attaques gratuites et il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien. Je comprends mieux, moi, pourquoi il y a autant de haine. Il y a autant là, de haine des Non, mais là c'est pas de la haine. Hein. Non, mais là, c'est pas de la haine, c'est de la stupidité pure et simple. Là. Non, mais je comprends mieux pourquoi les étrangers ont plus de haine envers les Français. À force, oui. À force. Ah ben oui. Je comprends mieux pourquoi il y a la haine. Hein. Je précise que ça va dans les deux sens, l'intolérance. Parce qu'on a parlé d'intolérance tout à l'heure et du respect. Je comprends mieux, moi. Et le mot respect, c'est le problème va dans les deux sens. Hein, il ne faut pas l'oublier. Mais je comprends mieux pourquoi il y a de l'intolérance comme ça. Parce que les gens, ils se balancent des trucs qui n'ont même pas lieu d'être. Alors, troisième remarque, on suit. Par exemple, voilà la troisième remarque qui dit « Hier midi, un collègue me demande, dans le but non dissimulé, d'animer la galerie au moment de notre déjeuner collectif. » Et, alors, la phrase qui dit « Et tu n'y as jamais pensé, toi, à retourner chez toi, sur ta terre sainte. » Qu'est-ce que c'est nul. Alors là, il y a un petit peu... Là, il y a deux discriminations. Hein. Il y a la religion et le racisme. Donc... Bravo, hein, sur ta terre sainte. Il n'y a pas besoin d'en mettre une couche. Sur une histoire de religion. Hein. Je continue. Quatrième exemple, par exemple. Jeune externe en dernière année de médecine à l'hôpital Tenon. D'origine maghrébine, je prenais ma pause café. J'avais oublié d'agrafer mon badge orange sur lequel était inscrit mon nom et mon statut, mais le stéthoscope était en évidence dans la poche droite de ma blouse. Donc il y a une cadre infirmière qui m'interpelle et me tend le balai. Voilà ce qu'a dit l'infirmière. Il ne faut pas oublier de nettoyer la salle numéro 2. Oui, alors elle l'a pris pour... Pour une esclave. Ouais. C'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle, l'infirmière, vas-y, hein, je fais le moins de travail possible, hein, tranquille, et puis je donne tout mon travail parce qu'elle est noire, quoi. Mais c'est un petit peu ça, c'est pas une esclave. C'est vrai que c'est un métier très dégradant, le métier d'agent d'entretien, d'agent de nettoyage, que beaucoup, malheureusement, il faut le souligner, qu'il y a beaucoup de personnes d'origine qui ont d'origine étrangère qui travaillent dans ce domaine-là, et malheureusement qu'il y a certaines personnes, des employés, ou même des collègues qui abusent de ça en disant bah, écoute, t'es noir. Ou des personnes qui ont besoin des. Bah écoute, il se dit t'es noir. Mais écoute, tu vas faire le travail à ma place, en gros. C'est un petit peu ça. Alors qu'elle est censée faire le même travail que la personne en question. Elles sont censées toutes les deux faire le même travail. En fait, finalement, elle abuse en disant bah, t'es noir, tu vas faire plus de travail. Puis moi, je vais être tranquille. Puis moi, je regarde la montre, je vais prendre ma pause café. Et puis toi, tu fais la salle numéro 2 à ma place. Non, mais attends, ça marche pas comme ça. Hein. Et malheureusement, c'est vrai que ça existe. Et ça existe encore aujourd'hui. Et que je dénonce et que je trouve ça dégueulasse. Mais de toute façon, ça changera pas. Le problème, il est là, c'est que ça changera pas. Les gens n'ont pas encore compris qui. Cinquième exemple, cette fois, c'est dans le domaine scolaire. J'enseigne le français et la culture générale auprès de post-bac. Lors d'un conseil de classe, une élève devant mes collègues et ma directrice, alors voilà la directrice qui dit, je ne comprends pas comment je peux faire confiance à une structure qui emploie une chinoise pour m'enseigner ma langue et ma culture. En 2014, être français, c'est forcément être de type occidental. Point d'interrogation. Je vois pas le rapport là. C'est un petit peu. Bah, en fait, je répète la phrase. Je ne comprends pas comment je peux faire confiance à une structure qui emploie une chinoise pour m'enseigner ma langue et ma culture. Le français. Mmh. Bah ouais, mais qu'est-ce qui. Qu'est-ce que ça dérange qu'une chinoise enseigne le français? C'est ça la question. Ouais, mais elle est peut-être née en France aussi. Et
Exactement. Elle est française automatiquement. Exactement. Bonne réponse. C'est une bonne réponse. Il y a des gens qui sont d'origine chinoise qui sont nés en France. Voilà la bonne réponse que tu viens de dire. C'est une très très bonne réponse qu'il faut souligner. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que et puis supposons que. Bah, en fin de compte, il y a plusieurs discriminations en une seule. Et supposons que la Chine, que cette personne chinoise n'est pas née en France, qu'elle vient de Chine et qu'elle apprend la langue française. Où est le problème? Bah, le problème, il est. Du moins qu'elle sait bien parler français, qu'elle apprend le français normalement, qu'est-ce que ça dérange? C'est pas parce que c'est une chinoise qu'elle sait pas parler français. Du moins qu'elle apprend la langue française dans toute sa splendeur et dans tout normalement, il y a rien qui dérange. C'est pas parce que c'est une chinoise que ça y est, elle est pas française. Et tu viens de dire une bonne réponse qu'une chinoise peut être française parce qu'elle peut être née en France. Bonne, et ça c'est très bien ce que tu viens de dire. Un parent français sans que. Non, alors, mais... je continue. Alors ça c'est le sixième exemple. Être employé dans une grande compagnie aérienne et entendre un responsable me dire gentiment suite à une petite erreur. Voilà la phrase qui dit tu n'es pas noir pour rien avec un grand sourire. En gros, vous savez que la rumeur dit que vous savez que les gens qui sont noirs, ils ont des grandes bouches, vous savez que des grosses lèvres. Et là, ils critiquent justement le physique de la lèvre, quoi. C'est ignoble. C'est moche, franchement. Je dirais même que c'est très bas d'ailleurs. Autre exemple, une femme rome, tiens, il est roumain, travaillant dans une université en France ne peut être qu'agent d'entretien polyvalent. Professeur, chercheur dans une université française, je suis également et d'abord d'ethnie roumain. Alors ça c'est un petit peu la fameuse discrimination dans le domaine du travail. Tout ça parce qu'il est rome, en fait c'est ça qu'il essaie de faire comprendre. Il est rome, donc pour un rome peut être que agent d'entretien polyvalent. C'est faux. Or c'est faux. C'est faux. Tout simplement c'est ça. C'est nul. Ouais, c'est en gros, tout, stupide, mais c'est ignoble. Mais ce qui c'est vrai, c'est inadmissible de se dire, voilà, une personne étrangère sera automatiquement dans une catégorie de travail. C'est ignoble. Et c'est pas parce que tu es d'origine étrangère qu'automatiquement ils vont dans la plonge, dans l'entretien. Là, c'était l'exemple, c'était agent d'entretien polyvalent. Voilà, masse quoi. Il faut pas non plus cataloguer les étrangers quoi, parce que c'est un petit peu ça aussi. Moi je trouve ça dégueulasse et ignoble, mais malheureusement ça existe. Je suis en train de me poser une question, peut-être que je me plante, mais peut-être est-ce que c'est peut-être je sais pas comment on pourrait dire ça, est-ce que c'est pas l'inverse aussi, parce que on dit que les étrangers en France ou machin sont des esclaves, mais est-ce qu'ils font pas de même dans leur quand les Français vont là-bas? Ah, c'est une autre question. Oui, mais il y a des Français qui vivent à l'étranger. Oui, mais qui sont patrons, et est-ce que ça se fait pas? Est-ce que les... Ça va dans les deux sens, hein, de toute façon. Voilà, de toute façon, c'est 50-50, alors... Autre exemple, allez, je continue. Étudiante, je cherchais un logement, cette fois on va dans le domaine du logement. Donc je cherchais un logement près de la fac. Un jour, je tombe sur une annonce intéressante. J'appelle l'agence, laisse mon nom, à consonance française bien sûr. La dame charmante me donne rendez-vous. Quand elle me voit, elle me soutient que nous n'avons pas rendez-vous, que nous ne sommes jamais parlé. Devant mon insistance, elle consent à me faire visiter l'appartement. Je lui dis qu'il m'intéresse. Elle me demande mes références. Je lui tends mon dossier. Quand elle voit la profession de mon père, admirateur de société, elle éclate d'un rire incrédule en méprisant. Je me suis senti profondément humilié. Bon, c'est un petit peu compliqué l'exemple, mais quand on y réfléchit bien la phrase, on comprend l'histoire. On va poursuivre. Deuxième exemple, à la laverie en bas de chez moi, on est quatre mecs, trois flics qui entrent. Voilà. Bonjour, contrôle des papiers. Les trois autres s'exécutent, chaque flic en a choisi un. Hein. Il vérifie les documents, aucun problème. Les flics s'apprêtent à partir. Et après, il y a une question. Et moi, vous ne regardez pas mes papiers? C'est une question. Bah, le flic qui répond, bah, non, vous, on sait que vous êtes en règle. Au revoir. Inutile de préciser que j'étais le seul blanc. En gros, ils ont contrôlé les trois étrangers qui étaient avec lui. Et la gars qui est blanc, il n'a pas été contrôlé. Parce que, c'est bon, vous êtes en règle, vous, il n'y a pas de problème. Déjà, c'est une obligation de contrôler les papiers à tout le monde. Quand ils font un contrôle, ils sont obligés de contrôler tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est une chose vraie. Mais le problème, la police. C'est qu'ils foutent les étrangers en premier. Mais c'est vrai, histoire des contrôles d'identité. Ils n'ont pas le droit de fouiller. Oui. Sans demande. Oui. Et à chaque fois. Qu'il y a eu des contrôles,
C'est surtout chez les étrangers que les flics, quand ils contrôlent des étrangers, ils les fouillent systématiquement. Ok. Mais c'est ça. Avant de leur demander leur papier. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est qu'en gros, les contrôles d'identité, c'est censé être pour tous. Et en fait, ils ont tendance à plus viser les étrangers pour faire les contrôles d'identité. Moi, je trouve ça lamentable. Ouais, et c'est discriminatoire. Plus. Et c'est discriminatoire. Parce que et aller fouiller sans que. Il y a le risque, voilà, d'être en règle en France. Ok, je suis. Mais de là, contrôler trois étrangers et puis le blanc. Monsieur Bon, vous êtes en règle, vous. Non, ça c'est dégueulasse. Moi, ça personnellement. C'est ce qu'on appelle du racisme pur et simple. Ah oui, ben voilà, royal quoi. Alors, autre exemple. À la piscine, un maître nageur qui dit à mon fils de 8 ans qu'il avait aspergé involontairement et qui s'en excusait et qui a dit t'es pas un arabe pour rien, toi. C'est sympa le maître nageur qui dit ça. Et qui dit ça à un gamin de 8 ans. Hein. Bravo, bravo l'exemple, un gamin de 8 ans. Ouais, mais à ce compte-là, s'il est maître nageur et qu'il voulait pas se faire asperger, il a qu'à pas être maître nageur dans une piscine. Non, mais bon, qui dit ça, un gamin de 8 ans quand même, excuse-moi du peu. Non, mais... tu dis pas, t'es pas un arabe. Ouais, même, c'est à ce compte-là, il change de métier s'il veut pas se faire asperger. Super l'éducation, bravo. Ouais. C'est juste ça que je voulais dire vite fait. Oui, de toute façon, c'est un manque d'éducation des deux parties aussi. Alors, l'autre exemple. Le mois dernier, mon conjoint va laver notre voiture un lundi pendant ses congés. Il est originaire du Kosovo et a gardé un accent. Un homme qui lave également sa voiture lui demande un renseignement. Mon conjoint lui répond gentiment. Puis, avant de partir, l'homme, en regardant notre voiture, c'est une berline allemande au passage, qui rétorque à son conjoint. Ça paye bien le Pôle emploi. Ah, c'est connu, cette phrase. Ça paye bien le Pôle emploi. Oui, ça paye bien le Pôle emploi, oui, elle est connue. Oui. Et sous prétexte qu'il a un accent étranger, il est forcément chômeur, dealer ou voleur. Non. Eh bien, c'est faux. Forcément. Ça, c'est d'une rumeur qui est complètement fausse, qu'il faut bien vous enlever ça de votre tête. Parce que c'est tout ça parce qu'il a un accent étranger. Alors, tous ceux qui touchent le RSA sont tous. Mais écoute, il faut pas oublier, ceux qui sont RSA, ce sont des délinquants. Mais écoute, faut pas l'oublier, ce truc. Non, mais ce que j'ai encore entendu cette semaine. C'est pour ça, c'est ce que j'ai encore entendu hier. Ridicule. Et en plus, venant d'une femme. Hein. Autre exemple. J'ai failli lui en mettre une. Autre exemple. C'est pas bien. C'est pas non plus. On répond pas à la violence par la violence. Je dis. Ouais, non, mais bon, t'es certaines limites. Alors, je continue. Nous étions au buffet d'une conférence lorsqu'une personne dans le groupe où j'étais m'interpelle pour me dire « Ah, vous êtes sénégalais. Je reviens tout juste d'Abidjan. Très belle ville. » Le moment de silence après lui avoir répondu « Et vous, vous êtes français, n'est-ce pas ? » ?»« Eh bien, je reviens tout juste d'Amsterdam, une très belle ville également. » Et il y a un problème là. Je savais pas qu'Amsterdam, c'était en France. Hein, mais, bon. Mais bon, pourquoi pas hein. C'est une phrase nulle à deux balles. Autre exemple. « D'habitude, les gens me demandent mes origines en précisant que j'ai un léger accent charmant. Presque chaque fois que je réponds « Je suis roumaine », je vois leur sourire se transformer en une sorte de déception indignée. « Ah, je suis roumaine. » Et alors ? Elle est roumaine, hein, elle n'a pas choisi non plus. Hein. Ouais, mais bon. C'est marqué sur son front, peut-être roumain ? Non, mais non. Non, mais bon, il y a eu tellement de. C'est terrible ce que je dis. Hein. Ouais, mais il y a tellement eu de trucs, justement, par rapport aux Roms, aux Roumains et tout ça. Et voilà. Alors, je donne les deux derniers exemples. Alors, l'avant-dernier qui dit « Une ancienne collègue un matin me dit « Ma chérie, tu es magnifique, tu es belle, tu as les traits fins comme pour une noire, c'est pas comme les autres, autres avec en majuscule, hein. C'est pas comme les autres. Mm-hmm. » Bravo, hein. Donc, je vais répéter la phrase parce qu'il faut reprendre. Donc, c'est une ancienne collègue qui dit « Ma chérie, tu es magnifique, donc c'est entre deux femmes, si tu préfères, tu es belle, tu as les traits fins comme pour une noire, c'est pas comme les autres. » Ouais, d'accord, ouais, ça y est, je vois le... Ouais. Voilà. Ouais, c'est qu'en fin de compte, ouais. Et si je les autres, elles sont moches, ouais, voilà. Et pour finir, j'en mets une dernière couche. On était à une... ça, c'est la dernière. On a été à une soirée avec des amis et un ex-pote me dit « Tu sais, j'aime pas les Arabes, mais toi, je t'aime bien. » Bravo. C'est ignoble. En plus, c'est ridicule. Mais sachant que la personne est d'origine aussi, a des origines aussi. Ouais. J'aime pas les Arabes, mais toi je t'aime bien alors qu'elle a aussi des origines. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon. Mais bon, ce sont des remarques qui sont insupportables, qui existent, qui c'est courant. Mais voilà, il fallait que je le dise. Ouais, mais il faut savoir vraiment qui c'est qui les a dit. Ah, ce sont des personnes courantes.
Ce sont des personnes, ouais. des personnes ordinaires. Mais c'est pas des étrangers aussi. Non, mais ce sont des personnes ordinaires qui disent ça, qui ça on ne sait pas qui est qui, mais je sais que ce sont des témoignages, des victimes de racisme qui disent, ouais. qui racontent leur histoire. Ça, ce sont des victimes, hein, je te précise. Après, dû à leur travail, au logement, tout ce qu'on voit, à l'école, voilà. Donc, ce sont des témoins qui ont raconté leur histoire et qui ont essayé d'expliquer voilà les remarques qui sont je sais pas si c'est courant c'est les 15 fréquentes des 15 fréquentes qui peuvent sortir à tout moment voilà on a fait le tour. Il doit y en avoir d'autres qui sont pas cités parce que voilà on va être là. En tout cas pour le racisme, est-ce que tu veux conclure vite fait avant qu'on passe à la deuxième partie sans transition? Non mais c'est bon, ouais, de toute façon quoi qu'il en soit, le racisme c'est pour moi quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'exister, on est blanc, on est noir, on est comme on est, nous sommes qui nous sommes, on n'a pas choisi d'être blanc, on n'a pas choisi d'être noir, on est ce qu'on est, et c'est pas la peine de se haïr et de se détester parce qu'on a des couleurs différentes, alors que nous avons tous les mêmes valeurs, humaines, bien sûr, je parle, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins les tourments ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Ne dites pas que chaque homme est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins les tourments ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Ne dites pas que chaque homme est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.